Allez, nous sommes le dimanche 21 juillet 2024. Après, demain, voici le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Grand social, les syndicats nationaux conducteurs des mototaxis du Cameroun lancent un mot de grève général pacifique qui prend effet dès le 25 avril prochain sur l'ensemble du territoire national. En signe de solidarité et d'hommage à la mémoire des deux compatriotes mototaximètres décédés à Yaoundé 1er et à Yaoundé 2e, à cause de la maladresse de certains agents de la police municipale, les syndicats conducteurs des mototaxis disent non aux morts sur la voie publique de leurs camarades en raison de la maladresse de certains agents de la police municipale. Ils disent également non aux violences faites sur leurs camarades par certains agents de la police municipale, tout autant qu'ils disent non aux abus de pouvoir exercés sur eux, sur la voie publique, par la police municipale. Les syndicats des conducteurs des mototaxis s'opposent également à la connivence suspecte entre certains agents de la police municipale et la gendarmerie nationale au détriment des mototaximènes. Ils repugnent l'arnaque de leurs membres sur la voie publique et protestent contre les contrôles illégaux des motos par des agents de la police municipale et disent enfin non au refus de l'application du décret du président de la République du 9 août 2022 fixant les modalités d'exercice de la police municipale. Les leaders syndicaux rappellent d'ailleurs qu'ils avaient adressé une correspondance au Premier ministre, chef du gouvernement camerounais, en date du 9 novembre 2023, question d'attirer son attention sur une situation d'une gravité exceptionnelle, à savoir le non-respect du décret dans ses articles suivants 3, 5, 12, 18, 19, 20 et 23 par le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Bertin Mathieu Faudieu, Yves Tchoya, Armand Kouété, Bernard Bailly, Apollinaire Peyoué, Charles Djemeni, Roger Zodom, entre autres, décrit le fait que certains agents de la police municipale se comportent sur la voie publique comme des coupeurs de route. Ils expliquent en effet que cette sonnette d'alarme n'a pas été malheureusement prise en compte par le gouvernement camerounais. Pourtant, elle devait permettre, ajoute-t-il, non seulement de prévenir, mais d'anticiper sur certaines éventualités. Selon les leaders syndicaux, cette défense a pour conséquence le décès de trois de leurs camarades à Yaoundé 1er et à Yaoundé 2e. Police municipale au Cameroun analyse des rapports conflictuels entre agents, opérateurs du secteur routier et acteurs du secteur informel. C'est la thématique centrale de sa presse de ce dimanche 21 avril 2024 sur la chaîne des Mazors. Allez, invité pour en parler encore attendu dans ce studio, il s'agit de Yves Tchoya qui est l'un des leaders syndicaux ayant commis justement cet avis de grève générale publié sur les plateformes informatives depuis ces derniers jours. Benoît Feudieu, membre de la sous-commission de communication du Rassemblement démocratique public camerounais, et Raphaël Ndougou qui est syndicaliste. Il vient de la ville de Douala, il aura notamment l'occasion de nous présenter comment la police municipale travaille dans la capitale économique camerounaise. Nous l'attendons également dans ce studio. Mesdames et messieurs, mise en onde, Stéphane Zéokono, diffusion de l'émission sur la page Facebook de Panorama PPS, Paulin Yanga, qui est assisté de Joachim Ipela, collaboration Jourdain Fossio, Ilias Corpoumier, Jordan est là, je suis Serge Amébicoy, commandant de ce programme. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le débat proprement dit. Écoutez Radio Cianto. Merci.
pas les sons. Oui, je vais introduire. Ok. Allez, on revient sur le film des événements, du moins 48 heures après l'incident survenu entre la police municipale et des conducteurs de moto-taxi. Le ministre de l'administration territoriale est monté au créneau pour sermonner les maires. Selon Paul Attanganti, les agents de la police municipale effectuent des cotisations hebdomadaires avec de l'argent racketté auprès des conducteurs de moto et des commerçants au vu et su des magistrats municipaux. Cela doit s'arrêter. Pour la tangente, il s'exprimait devant la présence de la soirée. Il dit d'ailleurs avoir été instruit par le président de la République pour assainir le plus tôt possible cet incident. Écoutons pour la tangente, le ministre de la situation territoriale. Paul Attanganti, le ministre de la façon territoriale, et qui s'est adressé également aux mototaximens. Il le rappelle d'ailleurs qu'ils ne sont pas indispensables. Yaoundé, Douala, dit-il, peut fonctionner normalement sans moto. Il prend l'exemple de la ville de Bouya où l'activité des mototaxis n'existe pas. Paul Attanganti dresse d'ailleurs un tableau sombre du secteur de la mototaxi. On l'écoute une fois de plus. De travailler avec l'administration. De tout temps, nous avons dans vos rangs les bandits de l'enchemin qui vont prendre votre activité en otage. Vous êtes des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement à part. Les comités de mototaxi sont aujourd'hui impliqués dans les actes de grand banditisme, accidents mortels, braquages à domicile, détournement des destinations des clients, assassinats. Kidnapping contre l'ensemble, intelligence avec les ennemis de la République, agression récurrente en plein chaussée,
les femmes sont les principales victimes. Trop, c'est trop. À travers cette réunion, je vais tirer la sonnette d'alarme en disant que les Camerounais ont vu, pendant une certaine époque, sans les mototaxis. Si cette activité représente une menace à notre sécurité commune, des mesures draconiennes seront prises pour mettre de l'ordre dans le secteur. Les conducteurs de mototaxis doivent cesser de se faire injustice car les autorités administratives ainsi que les forces de maintien de l'ordre sont là pour régler une violence et trouver des solutions idoines aux préoccupations exprimées. Elles peuvent être légitimes ou fantaisistes. Mais en cas de problème, les mototaxis doivent s'adresser aux autorités administratives. L'identification des conducteurs de mototaxis doit se poursuivre sans la moindre complaisance. Les zones interdites de circulation décidées par le préfet doivent être respectées. Si les syndicats qui sont les partenaires de l'administration sont incapables de mettre de l'ordre dans ce secteur, nous serons obligés de prendre des mesures draconiennes qui peuvent être une suspension provisoire ou définitive de vos activités dans certains départements ou arrondissements du pays. À Boyan, il n'y a pas d'accès depuis 15 ans, mais les citoyens vaquent normalement à leurs activités. L'activité de mototaxi a été interdite dans la ville de Bamenda pendant 5 mois, mais la vie continue. Allez, c'était donc le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi. Avant de recevoir quelques invités, on signale un communiqué qui nous parvient à l'instant. Ulrich Thibault Soufoso, qui a été transporté hier dans la journée par deux taxis, dont l'un partant du carrefour Belibi pour la SNI et l'autre se déplaçant dans la SNI pour le MINDEF, où il a constaté d'ailleurs qu'il a égaré son porte-monnaie de couleur marron dans l'un des deux taxis. Porte-monnaie contenant sa CNI, sa carte d'assurance d'identité, sa carte bancaire SGC, sa carte d'assurance Ascoma et plusieurs cartes de visite, et en plus d'une carte Stadland Hotel et une somme d'argent. Et il prie donc toute personne ayant retrouvé son porte-monnaie de bien vouloir, avec cette description d'ailleurs, de bien vouloir, le contacter au numéro suivant 656-60-30-07 ou encore 672-43-44-17, 656-60-30-07 ou 672-43-44-17, ou alors déposer ce porte-monnaie dans l'hôtel qui a été mentionné tout à l'heure, ou encore dans une radio de la capitale, et nous sommes ici à la radio Timini Santo. Benoît Fédu, bonjour. Bonjour Serge-Aimé Bicoy, bonjour à vos nombreux auditeurs et à votre illustre invité, dont vous aurez la latitude de présenter. Bien, vous êtes conseiller municipal, il faut toujours le préciser, la commune d'arrondissement de la rue du 7e, vous aurez l'occasion de nous signaler tout à l'heure, de nous développer les rapports entre les agents de la police municipale et les opérateurs du secteur routier, sans oublier les commerçants du secteur informel. Raphaël Nougou, bonjour. Bonjour Saint-Germain Bicoy, bonjour aux conseillers, bonjour aux millions de téléauditeurs. Téléauditeurs, il faut dire que ça pèse également en ligne, en ce moment, pour nous regarder hors du pays. Bonjour donc à l'équipe technique qui vous accompagne. Ce matin, j'ai une petite préoccupation. Laquelle ? Vous allez entendre tout à l'heure, le président de la République, à chaque fois qu'il s'adresse aux jeunes, il demande aux jeunes de l'accompagner dans la construction du pays, le développement du pays. Il demande aux jeunes d'oser, il demande aux jeunes de travailler. Quelquefois, il a même demandé aux jeunes, il a recommandé aux jeunes d'aller travailler la terre, parce que la terre ne trompe jamais. Vous voyez là que le président place les jeunes au centre de ses préoccupations. Mais moi, j'ai une interrogation au regard de ce que j'ai lu dans la presse la semaine dernière. Je me demande bien qui en veut au docteur Albert Ze. Vous avez entendu parler de ce nom? Tout à fait. Économiste de la santé, docteur Albert Ze, qui est un client régulier de la radio du ministère. Très bien. Docteur Albert Ze a juste écrit à son chef de l'État sur ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Donc il a décrit un ensemble de faiblesses. Il a dû émettre certaines réserves. Je pense que lorsque un jeune comme celui-là, je crois qu'il a 36 ou 37 ans, quand un jeune comme celui-là se lève, il écrit au chef de l'État, si peut-être des personnes estiment que ce qu'il a dit n'est pas vrai, il y a des cas où on peut donc alors l'appeler pour le convoquer. D'ailleurs, j'aurais appris qu'il a été décoré par le ministre de la Santé, chevalier de l'eau de la valeur, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez donc que c'est un jeune qui ne sort pas de nulle part. Il a quelque chose à dire. Et donc, quand j'ai commencé à évoquer le chef d'État dans ses discours, c'est dire que
On convoque M. Z, Dr. Z, on lui pose des questions et puis ça discute. Parce que quand je vois comment la presse a essayé de tirer sur lui, je me suis demandé, parmi des choses qui relèvent, il faut quand même, vous êtes un journaliste, tout le monde le connaît, vous savez rechercher l'information, vous savez la recouper. Quand on va dans certains de nos hôpitaux, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Quand on regarde le nombre de médecins, un médecin regarde pour combien d'habitants, combien de Camerounais, il y a un médecin qui décide à Douala, père à son âme, docteur Moto, pédiatre. Oui. J'ai vu cette dame s'occuper de ma fille à l'hôpital général, mais seulement avec toute sa bonne volonté, parce qu'il y a peu de spécialistes. Et donc, nous avons à un moment donné dit que nos hommes d'affaires, peut-être, s'intéressent aussi à construire des complexes hospitaliers de telle manière que non seulement les jeunes médecins qui sont des écoles peuvent être employés là-bas, mais aussi pour pallier je ne sais pas si je veux dire ça comme ça, que la demande est forte. Parce que quand vous avez rendez-vous avec un spécialiste, il veut bien là toute la bonne volonté, mais il se retrouve seul, c'est un problème. Alors je passe juste cette question là pour dire que moi je propose qu'au lieu de tirer sur Dr Abeze, sur ses réserves, par rapport à la couverture santé universelle, il vaut mieux échanger avec lui. Il vaut mieux échanger avec lui et en ce moment-là, qu'on trouve des pistes de solutions. Parce que je dis encore, le fait de lancer la nation de ce pays, c'est la jeunesse. Le président de la République le reconnaît, l'a dit. Donc lorsqu'il y a une préoccupation comme celle-là, il vaut mieux quand même que les bases soient fixées. Vous avez dit telle chose, quels sont vos arguments ? Les contre-arguments, et puis on sort de là avec des résolutions. Donc, je n'ai pas envie de parler de vos confrères, mais quand il y a une telle situation, il vaut mieux aller à la source. Par exemple, interviewer le concerné, par exemple. Donc, c'était ça ma préoccupation. Parce qu'on ne peut pas développer un pays quand les personnes sont malades. Et lorsque les personnes sont malades, nous devons avoir la prise en charge, certes. Mais il se trouve que il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez donc comprendre que je m'intéresse à la santé parce que ma fille a eu le concours de cette école aujourd'hui de Douala. Elle est aujourd'hui en 4e année. Et vous savez pourquoi elle avait choisi elle-même cette affaire-là ? Non. Parce que sa maman a mal au cœur. Elle a dit qu'elle doit devenir chirurgienne, je sais qu'ils occupent des cœurs là. Tout à fait. Cardiologue. Voilà. Parce qu'elle a choisi ça. Elle a composé, elle a réussi. Donc vous voyez que nous avons beaucoup de choses à faire. Je recommande quand même à vos confrères de cesser de tirer sur ces jeunes. Parce que si lui aussi s'en va, il part du Cameroun, comme beaucoup. Je crois que les statistiques nous disent que les médecins, il y a plus de médecins camerounais à l'étranger. Et il me semble qu'ils sont même bons, on va le dire ainsi. Parfois l'État met de l'argent pour la spécialisation, mais une fois là-bas, ils disent que si je n'ai pas trouvé 500 000 à mon pays, j'ai trouvé 2 millions ici. Je peux faire essai ici. Vous voyez ? C'est-à-dire que peut-être dans l'avenir, si on a des grandes écoles, peut-être comme au Sénégal, la spécialisation, on n'aura plus besoin d'aller ailleurs. Elle se fera ici pour éviter que si l'État vous donne les bourses, vous vous retrouvez là-bas et puis vous ne revenez plus pour servir, pour soigner les Camerounais. Donc vous croyez, moi je ne suis pas médecin. Je suis toujours un malade qui va dans les hôpitaux. Vous voyez que quand j'essaie de grainer un peu quelques pistes comme ça, là, ça démontre à suffire qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Et ensemble, nous devons construire ce pays-là. Tout le monde avec, y compris Dr Abeze. C'est attendu, le coup de gueule a été justement lancé à ces différents journalistes qui sont instrumentalisés, question justement de saper l'action menée par les uns et les autres. Or, c'est un débat contradictoire qui va justement rien entre les hommes de médias d'ici et d'ailleurs. On n'a pas besoin qu'on soit manipulé par tel ou tel autre pour justement tirer à bouleur ou sur tel qui a fait un travail scientifique. Maintenant, si les uns et les autres ont des arguments contraires à développer en rapport avec les tests qui ont été justement émis sur le plan scientifique, quitte à créer donc un débat contradictoire, de manière que justement les uns et les autres puissent justement croiser le verbe. On n'a pas besoin de flinguer tel ou bien de tirer à bouleur ou sur tel ou autre. Donc, c'est ça. Allez, on croit donc, avec le débat proprement dit. Alors, Bruno Fedieu, dites-nous, quel est votre regard de manière globale sur
la police municipale qui exerce depuis que le décret du 9 août 2022 a été rendu public par le chef de l'État du Cameroun. Faites une évaluation critique plus d'un an après. Oui, je voudrais dire ici que c'est vrai que c'est juste que si on parle même déjà de police municipale, cela s'apparente un peu comme un abus des mots. Parce que j'ose croire que jusqu'à présent, la police municipale, au sens même du décret du 9 avril 2022, n'existe pas. Par contre, il y a les agents municipaux qui exerçaient cette fonction de police municipale avant le décret. Bon, il était question qu'ils continuent à le faire. Ils avaient, pour ceux qui en disposaient même d'ailleurs, parce qu'il faut dire ici que ce n'est pas toutes les communes qui disposent de ces agents qui travaillent, qui mènent les activités de la police municipale. Donc j'explique ainsi pour dire que, en se conformant sur le décret, on ne peut pas citer une police municipale à cette heure-ci. Mais les agents qui exercent donc les missions de la police municipale, donc, ceux qui, les mairies, les communes qui en disposaient, devront au bout de 18 mois se conformer au décret. Oui. Ça, c'est ce que le décret recommandait. Donc, si on revient dans ce sens, on peut dire que jusqu'au 9 avril 2024, ceux qui disposaient de la police municipale devront se conformer. Entendu, bien évidemment, que ceux qui n'en disposaient pas devront maintenant penser à mettre cette police municipale en se conformant au décret du chef de l'État. Sauf que une commune également ne se lève pas comme ça pour mettre une police municipale. Il faut soumettre la délibération au Mindevel. Vous la soumettez au préfet qui transmet au Mindevel. C'est du retour du Mindevel que vous la soumettez au conseil municipal pour une délibération finale qui fixe exactement. Et jusqu'à présent, je fais d'abord ce petit rappel, puisque jusqu'à présent, si je prends le cas de Yaoundé, aucune commune n'a encore reçu sa délibération pour proposer au conseil dans la ville de Yaoundé. Donc dans la ville de Yaoundé, on pourrait dire de manière propre qu'il n'existe pas encore de police municipale. Et dans l'ensemble du Cameroun, il y a même que quelques 22 qui ont reçu leur délibération, qui pourraient être en train de se préparer à la soumettre effectivement dans les données, dans les orientations du décret, c'est-à-dire leur recruter, leur envoyer à cela pour recevoir une formation. Bon, maintenant, ce qui se pose aujourd'hui, c'est que, comme on dit, les vieilles habitudes ont la peau dure. Vous savez, avant, parce qu'on ne doit pas quand même l'ignorer, avant, les communes avaient recruté ce personnel-là, ces agents-là, qui avaient une spécificité d'être des personnes fortes, des personnes musclées, dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir non seulement assurer le maintien de l'ordre, qui est l'une des missions de la police, mais être prêt à pourchasser, voire à attraper certains délinquants qui pouvaient surgir dans l'exercice de leurs fonctions. Oui. Alors, ils étaient recrutés sur cette base et ça a fait même enfler, ça a couru dans l'opinion. On les a même attribués autant de petits noms. Je vois encore là les affaires de Gros Bras, les Awara, les ceci, les cela. Parce qu'effectivement, quand ils atterrissaient dans les marchés, par exemple, avec déjà ces sujets, mais c'était de sauver qui peut. Et ils attrapaient, il fallait être fort pour attraper la marchandise de quelqu'un, l'arracher. Emporté. Bon, il fallait par moment, bon, maintenant le phénomène de transport est arrivé avec les motos, où il fallait également, il fallait de temps en temps être fort pour arrêter. Donc, mais, regarde tout le dérapage et de toute la dénonciation qui a été faite, parce que c'était déjà insupportable, c'est-à-dire que la relation entre ces agents et les populations, pour ne pas dire des commerçants et des utilisateurs, même des engins. Parce qu'au-delà même du transport, tout utilisateur des engins de deux roues était soumis à leur manœuvre. Et puis c'était devenu insupportable. Donc même les communes n'arrivaient même plus à contrôler. Bon, il y a un fallacieux prétexte où vous devez trouver certains agents et vous disent que non, ils travaillent pour atteindre certains objectifs qu'on leur a fixés, il y a des quotas. Non,
une raison même qui ne tient pas, parce qu'il n'y a aucun service qui fonctionne sans objectif. Fixer des objectifs ne voudrait pas dire que vous atteignez des objectifs, même là, en bafouant les droits des uns et des autres. Oui. Donc c'est au regard de toutes ces plaintes-là que le chef de l'État a pris, n'est-ce pas, la mesure pour ramener, on pourrait dire, l'ordre dans le fonctionnement de cette activité-là. Et aujourd'hui, on déplore effectivement que ça soit encore difficile réellement de se conformer, que mettre en place. C'est vrai que jusqu'à présent, il y a un décret d'application qui devait suivre, mais on déplore que jusqu'à présent, des gens continuent à poser ces actes, n'est-ce pas, ignobles, cette façon, ces égarements-là. Toutefois, il faut le dire que les agents qui exercent cette mission ne sont pas envoyés pour torturer la population, ne sont pas envoyés pour créer. C'est des personnes qui sont là pour maintenir de l'ordre, pour assurer la salubrité, pour assurer la sûreté, la sécurité. Ils sont d'ailleurs très utiles. C'est eux qui protègent les bâtiments publics, les bâtiments communaux. Là, c'est eux qui procèdent au désencombrement, n'est-ce pas, des voies publiques. C'est eux qui facilitent les traversées de route. Donc, c'est un corps qui devrait être présent, mais sans se substituer à la force de maintien de l'ordre. Oui. Sans, d'ailleurs, même que quand vous lisez le décret du chef de l'État, il y a un certain nombre de recadrages à l'intérieur. Si vous prenez même l'article 5, par exemple, alinéa 2, on leur interdit, n'est-ce pas, d'exercer la brutalité sur les populations, sauf en cas de légitime défense. Il y a un certain nombre de choses. Si cela avait été respecté, si cela est respecté, je crois que c'est que la fonction en elle-même ne pose pas problème. C'est que même la relation avec les populations, que eux-mêmes par moment ne sont pas faciles, ne pose pas problème. Mais jusqu'à l'heure actuelle, on peut quand même le reconnaître. Il y a tellement de dérapages, il y a des insuffisances, il y a des dérapages qu'il faut réellement qu'il faille corriger avec une certaine rapidité. Et de cette rapidité, c'est pour le moins, se conformer au décret du président de la République. Et je crois que pour certains maires qui sont de bonne foi, je crois qu'ils ont déjà presque tous introduit les délibérations auprès de l'État, du Mindevel, pour que cela puisse se mettre en place. Allez, Raphaël, nous vous sortez de la ville de Douala et tentez de nous décrire comment fonctionne justement la police municipale dans la capitale économique, de manière que l'on puisse justement faire une comparaison entre ce qui règne dans les grandes villes camerounaises, notamment Yaoundé et Douala. Oui, avant de parler de Douala, c'est le même écho, je voulais avoir une pensée pour les Camerounais qui sont, les deux qui sont décédés, je crois, deux Camerounais, oui. À la suite de cette, on va le dire ainsi, hein, de ce comportement qu'on déplore, parce que on dit souvent que on reproche X et on reproche Y. Il y a l'agent qui a voulu arrêter la moto par, on va dire, par force. Mm-hmm. Et il y a celui même qui conduit la moto qui aurait dû s'arrêter. Donc vous voyez que là, de par leurs deux comportements, on a perdu les Camerounais. Maintenant, lorsque je l'ai dit, et je salue également la mesure du préfet de suspendre d'abord. Oui. Parce que c'est une mesure conservatoire. Je pense même le département de Fundi. Je pense même que celui de Voul aussi avait pris une décision similaire. Alors, il y a un problème. D'abord sur l'appellation. Je crois que Benoît Feuge l'a dit. Quand on dit police municipale, ces agents communaux peuvent se comporter, nous sommes des Camerounais, peuvent vouloir se comporter comme les policiers. Peut-être dans les réformes, peut-être dans le travail qui sera fait, il va falloir peut-être changer d'appellation. Dire peut-être agents communaux. Quand je dis n'importe quoi, on va dire agent communal Yaoundé 6. Agent communal Yaoundé 7. C'est marqué sur votre habit ou alors votre chasuble. Chasuble, voilà. Parce que ils ont un rôle important. Il faut le reconnaître. Mais il faut encadrer. Parce que quand je rentre dans la ville de Douala, prenons le carrefour Ndokouti. Oui. Ce carrefour-là, ceci n'est pas sûr, c'est que c'est deux communes.
ce carrefour là, deux communes partagent ce carrefour. Douala 3 et Douala 5. Exact. Douala 5 a ces agents communaux là qui maîtrisent leurs limites. Maintenant, Douala 5 n'a pas encore ces mêmes agents. Ça fait que les policiers ont souvent un travail énorme. Et ces agents-là les accompagnent en demandant aux usagers de prendre dans les motos, à des endroits indiqués aux motos eux-mêmes, aux motocyclistes eux-mêmes, de se mettre à un endroit pour livrer les carrefours. Je reconnais que c'est un travail qui est important. Le délégué, le maire de la ville, Roger Mbassadine, quand il arrive, le rond-point d'Aïdo, c'était un rond-point d'embouteillage. D'abord, vous savez également que ce rond-point-là, quand on passe par là, on va dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et l'ouest, de toutes les façons. C'était un carrefour qui était toujours embouteillé. Ces agents-là faisaient le même travail, à savoir reculer, faire avancer des populations et tout et tout. Donc, je dis qu'au moment où on va, le décret est là. Maintenant, quand on va aller travailler, au fond, il va falloir que l'on trouve véritablement des mécanismes. Parce que j'ai vu la commune de Yaoundé 6, dans les images, a formé un certain nombre d'agents. Oui. Maintenant, quand on forme, il faut également les assigner des objectifs, effectivement, quand ils vont sur le terrain. Vous avez la charge de faire traverser des jeunes, des élèves, des usagers. Vous avez la charge de faire ci, de faire ça. Maintenant, le comportement qu'on va afficher lorsque un mototaximan circule dans la zone interdite, est-ce que c'est justement pour le travail ou bien on a quelque chose d'autre qu'on cherche derrière? C'est, je me dis que tout à l'heure, j'ai suivi le ministre. C'est vrai que le ministre a souvent lu il a sa façon de parler. Oui. Parce qu'il était adjoint une fois, il a reconnu également les activités, l'activité des mototaximans. Certains même se bombent le torse que quand il y a n'importe quoi, ils ont même son numéro. Alors, il n'est pas impossible, mais il est difficile pour la ville de Douala de suspendre ou alors d'arrêter l'activité. Peut-être si on va arrêter l'activité, il faut fermer les usines qui fabriquent les motos. Mais comme c'est l'économie, ce n'est pas évident. Mais il faut organiser. Parce que le passager que nous sommes, nous sommes souvent aussi exposés, que ce soit aux accidents, que ce soit aux agressions. Comment on peut faire pour nous éviter ça? À Douala, ils ont légalisé, je vais le dire ainsi, le bâchement, comme ils appellent. Ouais. Donc on vous bâche, on porte deux passagers, si vous ne voulez pas, vous payez le prix. Ça encore, les syndicalistes en charge de cette activité-là, doivent sévir pour dire à ces derniers, même si votre moto, même l'assurance, quand vous portez déjà trois personnes, elle n'est même plus assurée. Vous voyez là qu'il y a un travail de sensibilisation, tout azimut doit se faire. Autre chose, les communes doivent, au moment où ils vont faire ce travail-là, on va adopter, je ne sais pas moi, les couleurs, c'est-à-dire quoi, je dis n'importe quoi. On dit, il y a où les sept couleurs vertes. Mm-hmm. Par exemple, on peint le réservoir en vert, la chasuble que le monsieur a est en vert, peut-être avec un numéro frappé YDE7 numéro temps. Là, on sait que si vous vous retrouvez à Efren, vous êtes avec la couleur verte, vous sortez de Yaoundé 7. Et ça fait quoi? Ça fait que, avec nos caméras de surveillance, si la zone Efren est interdite, l'agent qui est là peut noter votre numéro et on peut vous retrouver. Et ceci doit me mettre fait de manière urgente parce que j'ai dit qu'à Douala, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement compliqué. Et il faut dire à ces gens-là que vous n'êtes pas tout permis. Parce qu'à Douala, ils sont tout permis. Ils circulent à gauche quand ils veulent. Et au mépris même des forces de maintien de l'ordre qui sont là. Par moment, et ça, le conseil le relevait, par moment, c'est des hommes costauds, donc la commune dont on peut recruter. Oui. Quand celui-là est devant, ils prennent peur. Comme on dit souvent, la peur du gendarme. Ils prennent quand même peur. Ils peuvent changer et ne pas rouler à gauche. Parfois,
le passager qui est derrière, lui, il est content parce qu'il est pressé. Vous regardez les embouteillages. Mais oubliant qu'il est exposé à un certain nombre de risques. Donc, nous pensons que cette activité-là, je dis qu'il n'est pas impossible de la suspendre, mais il s'est divisé quand même. Maintenant, comme c'est une activité qui nourrit son homme, le chef d'État me l'a reconnu également. Je crois dans un discours toujours à la jeunesse. Oui. Il a reconnu. Il demande donc à ce dernier d'être responsable. Parce que je peux vous dire, c'est le même qu'à Douala, il y a certains qui ont laissé les taxis jaunes pour aller conduire la moto. Parce que ce métier-là nourrit son homme. Et moi, de temps en temps, quand je change avec certains, je leur dis, vous n'êtes pas les derniers de la société. Faites bien de telle manière que quand vous portez les usagers, ils vont se rendre compte qu'il y a des bensiquineurs qui ne sont pas seulement des voyous comme certains pensent. Parce qu'il y a, sur le plan des agressions, c'est énorme. Quand il y a une certaine heure là. Parfois, vous êtes sur la moto, alors que d'autres sont en train de vous suivre pour vous coincer quelque part. Par moment, ils montent des petites histoires du genre, le carburant est fini. Vous voyez le système qui penche souvent la moto. Oui, oui, oui. Oh, lui-même, il a arrêté le passage du carburant. Et donc, il penche ça. Pendant qu'il penche là, d'autres arrivent sur la moto avec des poignards. Vous êtes dépouillés. Et c'est extrêmement difficile parce que les forces de maintien ne peuvent pas être partout au même moment. Et même s'il y a des agents communs, ils ne peuvent même pas aller à la nuit. Parce qu'eux-mêmes, ils sont exposés. Donc, vous voyez que c'est une situation qui est assez préoccupante et qu'on doit voir tous les pans. Parce que si nous sommes des syndicalistes et que nous ne pouvons pas sensibiliser dans la maison, nous ne pouvons pas dire à nos membres qu'écoutez, voilà ce qu'il y a eu de faire. À Douala, il y a un système, le préfet l'a également interdit dernièrement. Les syndicalistes eux-mêmes deviennent des contrôleurs des motos. C'est la débandade totale. C'est le désordre total. Et c'est sur quoi? Apparemment, les motos doivent payer 1000 francs par mois à leur syndicat. Ces derniers arrivent là sans force de maintien de l'ordre. Eux-mêmes, ils sont tous en même temps. Ils bondissent sur les guidons des motos, arrachent les clés, etc. Le préfet l'a interdit dernièrement. Parce qu'effectivement, j'ai déposé la question à un jour. Est-ce que c'est ça le syndicalisme que vous faites? Vous devez même apporter des propositions au gouvernement, aux mairies, quant à l'assainissement de votre secteur d'activité. Parce que si les bensikinaires, comme on les appelle là-bas, sont identifiés par commune, la commune de Douala Saint peut vous dire, dans notre mairie, nous avons 2000 bensikinaires identifiés. Douala 2 va dire, nous avons tant nombre. Ça veut faire que, en ce moment-là, quand on s'adresse aux syndicalistes, ils ont les mêmes chiffres. Ils ont la possibilité. Je puis vous dire que aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut obtenir un emploi dans le secteur privé, que sais-je encore, et il peut acheter de la moto, il tombe dans l'activité. L'activité en question, effectivement, nous l'avons dit, elle nourrit son homme. Mais vous ne va-t-on pas faire cette affaire comme si on se croit tout permis. Et il y a un autre côté, sans vouloir blesser la diplomatie, nos frères du Tchad et de la Centrafrique. Là encore, on doit travailler ça du côté des Douala. Mmh. Quand vous êtes à Yassa, eux, ils sont dans cette zone-là. Je puis vous dire que, de par les services de renseignement, même officiels, les agressions sont perpétrées par ces derniers. Et qu'est-ce que nous, on avait dit? On a pensé qu'il faut aller dans leur communauté, parce qu'ils ont des communautés avec leurs chefs de communauté qui, eux, vont recenser leurs bensikineurs là-bas, identifier et travailler maintenant avec la commune. Je dis que quand vous êtes à Yassa, à une certaine heure, vous avez votre cœur dans le ventre. Et tout aussi du côté de Nobel là-bas. Donc vous comprenez que il ne s'agit pas pour... sans vouloir défendre les collectivités. Mais il ne s'agit pas pour les collectivités de ne pas reconnaître le travail qui est de moto taximène. Quand on dit zone interdite, on sait quand même que non. À Douala, ils respectent plus ou moins. Même comme il y a toujours les bébés, ils respectent quand même. Vous ne pouvez pas voir un bensikineur facilement à Bonanjo. Ça, c'est difficile. Certaines zones à Bali aussi, c'est difficile. Il y a des zones, ils savent. Les zones interdites. Oui, les zones interdites. Ils savent. Ils font l'effort. D'ailleurs, même, quelques usagers savent. Donc, ça fait que quand vous proposez à celui-là d'aller là-bas, il dit non.
Mais il faut réguler. Parce que si on laisse les gens se croient tout permis, c'est un problème. C'est pour ça que j'ai commencé par des penseurs qui vont s'asseoir autour du préfet, autour du Mindevel. Ils doivent aller là-bas avec des propositions de telle manière quand ils vont ressortir. Un peu comme j'ai dit, il faut que chaque commune, dans chaque commune, qu'on puisse identifier, qu'on attend un homme. Quand vous avez, je crois que un ami, Marc Ousmane Deki hier, oui, qui a subi de l'embouteillage sortant d'autoroute, mm-hmm, au niveau de Colbison, ce grand carrefour-là. Et maintenant, c'est un carrefour. Aujourd'hui, on doit comprendre que l'autoroute était en activité. L'autoroute qui circule déjà. Donc, on aura une forte affluence de véhicules de ce côté. Il faut dire aux Benzikinaires, ne vous mettez plus au carrefour. Non seulement il y a des écoles là-bas, il y a des universités, il y a. À côté de cela, il y a des usagers qui prennent l'autoroute. Donc vous comprenez qu'il y a un travail à faire. Il y a des propositions à faire. Mais on doit dire à ces amis-là, parce que si on évalue, par exemple, du côté de Douala, le nombre de Benzikinaires, ben, vous comprenez que si on suspend cette activité, ne serait-ce que les petits impôts qui payent là, c'est beaucoup. Je crois même que quand on a régulé, on va leur dire, j'ai vu, je crois, le maire de Douala 5e, oui, qui avait mené une campagne pour l'obtention des permis de ces derniers. Parce que comme ils savent bien conduire, ils ne peuvent plus rentrer à l'école de la conduite. Il faut seulement jouer le rôle de facilitateur pour qu'ils aient les permis. Que ce soit aussi, fait aussi pour l'assurance. Même si on croit que l'assurance est le commerce, mais qu'ils aient quand même l'assurance. Puis maintenant, à côté de ça, l'impôt libératoire. Donc que tout cela soit fait. Parce que leur activité nourrit son homme. Il faut aussi quand même qu'ils versent quelque chose à l'État. Parce que nous avons souvent l'habitude de critiquer sur l'état des routes. L'État ne va pas aller construire la route avec les moyens qui viennent d'ailleurs. C'est les moyens que nous payons les impôts, etc. Donc vous voyez que cette relation conflictuelle entre les agents communaux peut se résoudre. Nous sommes des hommes. Ça peut se résoudre et vous allez voir que quand on est Benzikineur, on sera content d'être Benzikineur. Mais si on va en route ayant la peur dans le ventre que les agents vont sauter sur nous au quotidien, c'est un problème. L'activité de moto-taximène à Douala, je vous assure que c'est une très grosse activité. Quand certains parmi eux vous racontent comment ils ont déjà construit des maisons, vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire. Mais je dis encore, syndicats, les collectivités, et même nous, qui sommes les passagers, nous devons ensemble, dans la sensibilisation, ils sont nombreux là, qui ont un baron important. Je crois que vous avez vu une fête là une fois, un a réussi au concours de l'ENAM, ils ont fêté autour de leur confrère. Beaucoup trouvent le travail derrière leur guidon. Donc, il faut dire aux gens, ce n'est pas parce que nous crions au Cameroun qu'il n'y a pas le travail, mais le Camerounais sait souvent être ingénieux, il sait souvent se battre. Donc, quand on se bat, donc, on doit donc emprunter en ce moment-là l'expression du penseur qui a dit si vous êtes balayé de l'eau, balayé de telle manière que si votre balayé arrive là, qu'il n'ait rien à dire. Absolument. Allez, les syndicalistes étaient d'ailleurs justement invités à cette émission, notamment Bertin Mathieu Faudieu qui a délégué Yves Thioya pour finir justement cette émission, mais il est toujours attendu dans ce studio de radio, puisque ce sont ces syndicalistes qui ont justement lancé un mot d'ordre d'appel à la grève générale. Ils devront justement venir dans ce studio pour expliquer les différentes tenues et aboutissants. Mais avant de les recevoir, si jamais ils arrivent, Benoît Feudieu, dites-nous, lorsque vous voyez la bavure qui s'est développée justement cette semaine, notamment au niveau du Yaoundé des premiers, quelles sont les causes que vous pouvez justement établir au premier abord? Non, les causes sont telles que nous sommes en train d'évoquer tout à l'heure là les manquements de tous les côtés. Et je voudrais déjà, Raphaël a relevé un problème de discipline là qui est très important. Et je vais dire ici que tous ces motos, si je prends le cas d'une Fondi, effectivement l'identification a toujours été faite. À telle enseigne que quand vous voyez là, chaque arrondissement dans le Fondi a sa couleur de chargeur. Oui. Chaque arrondissement a sa couleur de chargeur. Et c'est vrai que nous sommes en train de le dire, c'est un corps de métier difficile.
difficile, qu'il faut beaucoup et réfléchir et apporter vraiment du tact pour pouvoir réussir à leur contenir. Parce que malgré ces chasures qui sont instaurées, il y a parfois même que vous vous perdez. Parce que vous vous trouvez du côté peut-être de Kondigi, comme ça vous voyez des chasures violets qui sortent loin de l'autre côté de Colby. C'est-à-dire par moment, c'est-à-dire que c'est très difficile de réguler ce secteur-là. Or, effectivement, quand on y arrive sur des incidents pareils, il y a un certain périmètre urbain dont ils n'ont pas, qui ne sont pas autorisés à y rouler. À Douala même, ils sont beaucoup plus ouverts, en dehors de certaines zones comme Bonabou Sadi et machin. À Yaoundé même, en réalité, le centre urbain là, le périmètre urbain là, les motos ne sont pas appelées à y rouler, sauf les motos à usage personnel. Par contre, ils ont, à chaque arrondissement, il y a des limites qui sont bien établies, qui doivent travailler là, donc en périphérie. Et je voudrais dire, je reviens sur ça pour dire, et quand vous allez voir dans la plupart du temps, ceux qui travaillent sur ces périmètres-là ne sont pas dérangés généralement. Ils travaillent, il y a certes toujours les agents qui essaient de contrôler, parce que nous avons dit ici, c'est un secteur assez compliqué à telle enseigne que, par moment-là, vous allez porter toute la faute, vous mettez sur l'agent communal. Mais tellement ils s'y connaissent, ils se connaissent. Ils se connaissent à telle enseigne qu'ils établissent même certaines complicités. À telle enseigne que vous qui êtes peut-être soit le conseil municipal et qui, n'est-ce pas, attendez des résultats, quand vous passez, vous garez, vous voyez la complicité qu'il y a entre ces gens. Ils savent que, bon, ils vont passer là, ils vont se voir ainsi, ils vont... Par moment, ils viennent là. Le deal qu'ils ont tissé, le gars ne respecte plus, tu vois comment l'agent calcule, dit, bon, je vais te prendre, n'est-ce pas? Et puis c'est comme ça que tu vas venir trouver un terrain, il a signé sur la moto, il le tire, on va à la fourrière. Donc, on se retrouve à la fourrière qu'avec des cas lorsque le deal a s'égaté. Oui. Donc, il y a Lorsque le deal a foiré. Les gars sont là, ils connaissent bien qu'il y a tel périmètre urbain où nous ne devons pas y circuler. Mais à une heure comme ça, de forte affluence, vous le voyez débarque là. Et effectivement, les agents municipaux ont calculé aussi certains carrefours parce qu'ils savent que entre certaines heures, il y a un peu d'affluence et les gars sont tentés de transporter pour passer. Alors, ils leur calculent là, ils leur interpellent, ils attendent les motos. Parfois, ils ont toujours ça. Ils fonctionnent tellement dans les deals. Ils savent ce qu'ils glissent à son agent. Quand ils ne glissent pas, ils le calculent à l'autre tour. Et c'est là que vous voyez surgir des incidents comme ceux dont nous venons de vivre et que nous condamnons fortement qu'on a perdu deux Camerounais. On a un conducteur de moto, peut-être qu'il connaît comment il joue, mais il a un client derrière. Il ne se soucie même pas de la vie du client. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans ça. Et même quand il fuit, ils connaissent comment ils font. Vous le voyez comment ils profitent là, mais vous voyez le danger que les gars prennent entre les véhicules. Donc pour dire tout simplement, ce qui est arrivé là à Yaoundé premier, je dis ça fait mal. Et ça ne surprend pas pour si vous vivez ces gens au quotidien. Ces deux camps au quotidien, ça veut dire que les motos et les agents municipaux. Oui. Parfois, il y a même des... Contrairement à ce que les gens disent, il y a même beaucoup de mecs qui tiennent des réunions avec ces agents municipaux pour leur ramener à l'ordre, pour leur donner des orientations. Mais on ne peut pas également élaguer le côté objectif. Bon, ça, on sait qu'il n'y a aucune société qui peut fonctionner sans objectif. Parce que par moment, quand vous voyez des communes vont à leur dire, mais attendez, depuis toute la semaine, on ne voit même pas un certain nombre de motos que vous avez mis ici en fourrière. En fait, c'est les suspicions qui existent parce qu'on sait bien que quand ils prennent 5 motos en route, c'est une qui part à la fourrière. 4, ça tourne entre eux. C'est leur gombo, comme ils appellent au quartier. Oui. Et généralement, c'est-à-dire que toute la force qu'ils déploient, toute la volonté, toute la présence qu'ils essaient d'honorer là, c'est parfois pour travailler plus pour leurs intérêts que l'intérêt de la commune. Et c'est sur ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc nous disons tout simplement que les syndicalistes, comme vous avez dit, malheureusement, il y a l'autre qui devait venir, bon, il est encore en route. Nous le disons. On n'a jamais cessé de demander de sensibiliser ces motos-là. De sensibiliser ces motos-là. Parce que
Au niveau des agents communaux, c'est très facile quand même de leur sensibiliser, ça, de leur donner un certain nombre de recommandations. Mais ce sont ces motos qui sont difficiles à discipliner. Parce que tout ce qu'on peut faire, moi je dis au niveau de la commune, j'ai pris l'exemple, pas seulement de la commune de Yaoundé, non, il y a des réunions qui se tiennent. Il y a même des maires qui ont offert gratuitement ces chasures. La majorité des chasures que vous voyez porter là sont offertes par les maires pour essayer, n'est-ce pas, de les discipliner à telle enseigne, parce que lorsqu'ils sont disciplinés, même l'impôt libératoire là également est facilement récoltable. Bien évidemment que quand vous voyez 100 motos en route, parce que comme nous avons dit, c'est un travail franchement à la sang. Oui. Il faut le dire. Vous allez voir, nous avons aujourd'hui, on a le cas de Yaoundé premier. Jusqu'à présent, jusqu'au dernier moment, je continuais à demander, il fallait parfois identifier même l'accidenté, n'est pas facile. Parce que ce gars que vous voyez en route, ça, ils peuvent eux-mêmes témoigner. Il y a tellement de brebis galeuses entre ces motos clando. Ça, d'aucuns sont là pour faire un travail. C'est un corps de métier qu'ils prennent au sérieux. Nous avons dit ici que le chef de l'État les a même encouragés. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut d'abord bien le faire. Et il y a également une partie des Camerounais qui sont conscients de ce rôle-là qu'ils sont en train de jouer. Jouer autant pour eux-mêmes que pour l'économie camerounaise. Mais il y a des brebis galeuses là à l'intérieur qui sont là pour d'autres fins. Et ça, on ne le trouve pas seulement dans la nuit. Même en journée, on le trouve. Il y a même certains qui se rendent délinquants délibérément. À telle enseigne qu'avec ces motos-là, vraiment, vous pouvez aller bloquer un passage comme ça, vous contrôlez 20 motos, vous aurez la chance d'avoir 10 qui sont vraiment en règle. Oui. Avec le minimum qui leur est recommandé. Et c'est pour cette, et c'est beaucoup plus pour cela que ces agents sont en route. Parfois, c'est même la force de maintien de l'ordre qui les interpelle pour une raison ou pour une autre. Et quand vous allez voir quelques motos, vous allez toujours trouver en voie d'aller en fourrière. Parce que au moins la moitié des motos interpellées, on a déjà au moins une moitié qui ne se trouve pas en règle. Donc, nous disons, c'est un travail qu'il faut le faire avec sérieux, que les syndicalistes continuent leur travail. C'est bien beau de lancer la grève après un incident pareil, mais s'ils sont honnêtes, ils connaissent que ça, c'est des incidents qui sont vraiment, qui sont prévisibles. C'est des incidents qui ont une certaine lisibilité, puisqu'ils vivent, ces choses-là au quotidien. Et nous sommes là, j'ai vu, vous voyez, lorsque l'incident s'est produit à Yaoundé 1, quand vous avez vu un premier passage des médias auprès du responsable à la commune, bon, directement, sa première réaction, c'est qu'il ne reconnaissait même pas la présence, par exemple, des agents à cet endroit-là. En fait, même si c'était une manière de se dédouaner, c'était pour dire, en quelque sorte, que cet endroit-là n'est même pas un endroit attendu à la circulation de motos. Or, les gars également calculent que des endroits comme ça pour se cacher et puis attraper des motos. Donc, à l'heure, l'incident, ce qui s'est produit à Yaoundé premier. Le préfet, effectivement, il a pris une décision salutaire. Et ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas la première décision d'arrêt même de contrôle qui est prise dans le Fundi. On a déjà eu. Et ce qui est sûr, c'est une mesure conservatoire. À un moment donné, on sera toujours obligé de lever. Parce que dès qu'on prend une décision comme ça, c'est déjà le laisser aller. Vous allez voir d'ici, dans les semaines à venir, comment même en plein poste central là, c'est-à-dire que vous allez voir les gars, parce que même le policier n'est pas capable d'arrêter les gars là. C'est ce que nous appelons les cobras là, c'est eux-mêmes au moins qui ont les secrets, ils se connaissent. Parce que vous comptez sur le chargeur, vous n'allez même pas réussir. D'autres gars prennent les chargeurs, ils portent là, ils ne sont même pas identifiables à partir de ce chargeur. Je dis qu'il y a une partie, il y a une infime partie qui respecte les règles, qui sont conscients que ça c'est un métier que je peux construire ma vie avec. Mais il y a tellement de foutour, il y a un foutour à l'intérieur. Vous allez voir dans quelques jours, ils vont faufiler au poste central, ils vont cogner la voiture, ils traversent, dès même qu'ils vont cogner, ils vous gardent là. En quelques minutes, il y a même 20 tout autour de vous. Oui, vous ne connaissez même pas qui a même couillé. C'est comme ça que
Mais pour vous sauver, pour que vous gardiez votre vie, pour que vous sauvez votre vie, soit vous entrez seulement dans votre voiture, vous partez, ou si vous avez quelque chose, vous donnez là, vous partez. Alors que c'est lui qui vous a gratté. Donc, à un moment donné, quand même, pour une ville comme Yaoundé, qui est la capitale, il y a quand même un minimum qu'il faut respecter, au moins respecter ces cadres-là. Et que les propriétaires de motos avec les conducteurs fassent un peu d'effort, ne serait-ce que de se conformer au peu qui leur est demandé, c'est-à-dire l'impôt libératoire. Parce que Raphaël, dans son déroulé, a dit quelque chose tout à l'heure, a soulevé quelque chose tout à l'heure. L'agent, c'est bien, a outrepassé son rôle. Oui! Mais le gars même de la moto, si au moins il avait un minimum de conscience, sachant qu'il a quelqu'un derrière, il se serait arrêté. Parce qu'il savait bien que la moto, là, quand ça part en fourrière, lorsque vous suivez cette moto, vous vous conformez, vous retirez toujours cette moto. Les motos, là, ne vont pas en fourrière pour rester. Mais par contre, vous allez voir les fourrières, que les motos sont abandonnées là. Allez demander un seul papier de cette moto. Parce que c'est aussi un côté qu'on ne dit pas assez. Les motos que vous voyez là dehors, je vous dis, il y a au moins un tiers qui ne sont même pas identifiables. C'est quand ces gars arrêtent ces motos, ils déposent en fourrière, qu'à la fourrière, on exige ne serait-ce que le papier, la carte grise pour retirer. Vous voyez, le gars trouve bon tout simplement d'abandonner et partir. C'est ça que vous partez dans les fourrières, là, vous voyez ces motos là entassées. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la provenance. Ils n'arrivent pas à payer les pénalités pour récupérer les motos. Parfois, je dis même je dis la carte grise. Il y a plusieurs. J'ai eu des populations qui sont venues vers moi pour intervenir les motos arrêtées. Parfois, je dis bien là, je saisis la bécane moto que bon, donnez-le. Mais les gars me font comprendre, même un papier, parfois, ils lui demandent où est le papier de la moto. Il est incapable de fournir, je dis un papier de la moto. Donc, pour dire tout simplement que il y a problème. Il y a le manque de respect des règles et des missions assignées à ces agents-là. Parce que, comme je l'ai dit, ouais, j'insiste beaucoup sur agents municipaux. Vraiment, affaires police municipale, c'est autre chose. Mais moi, je dis agents municipaux qui assurent le rôle, qui assurent les missions de la police municipal. Bon, alors ces agents-là, je dis, on peut reprocher un certain nombre de choses et on continue à reprocher et je crois que les exécutifs municipaux en sont conscients de ce travail-là. Mais le plus gros boulot, c'est encore du côté des motos. Vous voyez que je ne dis pas la même chose avec les autres usagers, les commerçants et la présence des agents municipaux, mais aux motos, je dis, c'est un côté très compliqué. Il n'y a pas une semaine que vous pouvez traverser sans entendre au moins ce qui s'est passé. Deux agressions d'ici, deux agressions de là. Nous avons eu même des motos qui transportaient des passagers arrivés dans certains endroits, ils deviennent les bourreaux. Bon, il y a un certain nombre. Et quand vous allez vous rapprocher, vous allez voir que ces gars-là, ils mettent toujours des chasubles sur eux pour aller transporter comme ceci. Donc, par moment, c'est inexplicable que quelqu'un qui est conscient qu'il est en train de faire un travail soit peut-être interpellé et il ne s'arrête pas. Parce que, généralement, les agents municipaux qui vont sur la voie publique sont toujours au moins, le plus souvent, accompagnés d'un élément de maintien de l'ordre. Bon, or, vous allez voir, parfois, cet élément-là, lui, il est là, même, il est même parfois perdu. C'est généralement, même quand il interpelle là, le gars ne le regarde pas. C'est plutôt ce qu'ils appellent gros boulard, ils n'ont peur que de cela. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent sujet à tout moment pour l'arrêter. Mais le policier, lui, s'en fout, il va faire comment pour l'arrêter. Il ne peut même pas. Donc, je crois, pour éviter ce gars-là. On va revenir au sujet. Mais Raphaël, dis-nous, il y a l'un des reproches, généralement fait aux agents là. La police municipale, c'est le fait que l'on constate de manière globale une forme de sous-traitance de la collecte de la fiscalité locale, parce que d'aucuns estiment qu'il y a notamment certains mairies qui ont créé une forme de business de manière à pouvoir ramener un ensemble de ressources pécuniaires colossales durant toute une journée, en dirigeantant notamment des groupes là, sur la voie publique qui vont justement collecter ces faits-là. Est-ce que, lorsque vous qui vivez notamment dans la ville de Douala, est-ce que vous avez eu à constater notamment ce reproche justement qui est fait aux différents maires
Disons qu'à Douala, je n'ai pas vraiment déjà suivi ça, mais ici à Yaoundé, oui. Et peut-être là, nous sommes bien placés ici parce que nous avons avec nous un conseiller municipal de la ville ou alors d'une commune de Yaoundé. Parce que les gens ont dit que ce soit ces gros bars-là, que ce soit ceux qui posent les sabots, c'est géré par un expatrié, hein, entre guillemets. Nous n'avons vraiment pas vérifié l'information. Les gens l'ont dit. Est-ce que c'est vrai? Peut-être le conseiller nous dira s'il a des informations dans ce sens. Mais si c'est que c'est vrai, nous pensons qu'il faut peut-être revoir dans les réformes que je proposais ici. Il faut essayer de voir. Parce qu'en réalité, s'il y a des pénalités à payer, je crois que ça doit bénéficier justement à la commune concernée. S'il y a la fourrière à gérer, il vaut mieux que ce soit la commune elle-même qui gère la fourrière. Parce que s'il y a un sous-traitant, vous savez que le sous-traitant, lui, cherche le gain. Oui. On va le dire, c'est comme un commerçant. Or, la commune a des sensibilités à gérer. C'est-à-dire que, vous l'avez entendu, il vous dit que par moment, les jeunes sont allés vers lui en sa qualité de conseiller municipal pour des interventions. Or, si c'est un privé qui gère cela, est-ce que ce serait facile pour un conseiller ou alors un camarade d'aller négocier? Or, la commune a des sensibilités à gérer. Donc, je ne sais pas vraiment si cela est avéré. Mais nous pensons que c'est avéré, il vaut mieux revoir cette situation-là. Parce que par moment, quand on voit le comportement de ces agents-là, et que l'on apprend que ce secteur-là doit être géré par un privé, on a peut-être envie de dire oui, que c'est vrai, parce que les gars se comportent souvent comme si ils sont à la recherche du gain à tout prix, et voire à tous les prix. Parce que effectivement, pour certains, quand ils bondissent souvent sur les guidons des motos, vous avez l'impression que je pose la question si lui met en fer. Parce qu'il peut se faire mal lui-même, l'agent communal. Oui. Il peut se faire mal. Parce qu'effectivement, c'est un risque. Donc, c'est quelque chose que nous allons vérifier et que nous, on peut édifier, comme je l'ai dit, par monsieur le conseiller. Mais maintenant, il avait ce genre de choses. Je prends par exemple la carte de guise. Dans le cadre, parce qu'on peut faire des propositions comme ça de manière globale et puis les personnes en charge de gérer ça vont trier au volet. On peut régler le problème à la carte de grise seulement, à l'achat de la moto. On demande qu'on établisse la carte de grise. Directement. Vous savez, aujourd'hui, là, quand on vous fait les documents des voitures sorties au port à Douala, là, lorsque vous payez les impôts, vous payez une fois avec l'immatriculation. Donc, quand vous achetez votre moto dans une boutique quelconque, que vous payez avec les frais des délivrances de la carte grise. Ça peut résoudre le problème. Parce qu'il est quand même inadmissible que vous êtes sur un engin, vraiment, il n'y a rien. Même pas, comme on dit souvent au quartier, même l'acte de baptême, il n'y a pas. Parfois, on vous donne un papier volant là. C'est même pour ça que même le contrôle, que si on le fiscalise, même si on autorise le contrôle, il est difficile pour ces gens de contrôler de ces gars. Ils sont seulement obligés de prendre la moto et amener en fourrière. Parce qu'il n'y a rien. L'individu parfois n'a même pas la carte d'identité. Et on ne peut pas. Nous sommes un pays, certes, hospitalier, mais on n'est pas à l'hôpital où vraiment on accueille tous les malades. On ne peut pas. On ne peut pas fonctionner comme ça. J'aurais bien voulu que le syndicaliste dans le secteur-là arrive ici parce que il ne suffit pas de lancer le modèle de grève. Je crois que dans la fête du travail qui arrive là, il y a un mot, dialogue constructif. Nous ne sommes plus le genre de syndicaliste va-t-en-guerre de l'époque, monsieur Sejemé Bikoué. Non. C'est que nous allons sur la table de négociation. On pose les préalables. Et puis en face, on vous dit voilà, voilà, et on s'entend. Donc, voici des solutions. Je dis que quand vous partez acheter la moto, on vous dit la moto c'est 200 000, vous achetez 10 000 francs pour la carte de grise. Oui. Obligatoire. Et puis maintenant, comme je l'ai dit, les collectivités peuvent les accompagner dans le local d'obtention du permis A. C'est-à-dire qu'avec en connexion avec le ministère du Transport. Je l'ai dit, ils sont déjà des chauffeurs de moto, il leur faut des permis. Puis on voit avec les compagnies d'assurance également. Ça fait donc que l'individu a quand même quelque chose qui prouve qu'il doit circuler avec la moto. Et voir même dans quelle mesure peut-être aussi avoir les immatriculations. Vous croyez que les motos doivent avoir les immatriculations? Bon, peut-être si on ne leur donne pas les immatriculations du ministère des Transports. Mais quand on leur donne les immatriculations, même par commune, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est
il est identifié, il a l'immatriculation d'une commune. On dit par exemple, il y a Yaoundé 4. Ils mettent ça derrière la moto quand même, visible. Comme les autres immatriculations des voitures. Quand on ne pense pas que quand on va faire une menace comme celle-là, c'est là où l'État va réfléchir. Non, c'est peut-être pour cette raison que le minage du Sud-Oton. Mais moi, en ma qualité de Sénégalais, moi aussi, je pense qu'ils doivent penser autrement. Il n'est pas du tout normal. Tout à l'heure, vous m'avez entendu dire que si jamais c'est le privé qui gère le côté des amendes, on va dire ici, ou des contraventions, il vaut mieux le voir. Parce que lui, quand le privé lui gère, lui va seulement vouloir avoir de l'argent. Peut-être va-t-il reverser à la commune concernée, que je n'en sais rien. Il vaut mieux laisser vraiment la commune gérer ça. Puis maintenant, Benoît Fejo et moi, nous sommes à 100% d'accord oui. sur l'affaire de police. Il faut qu'on enlève le mot police là. Je vais dire pourquoi. Il me souvient quand M. Mbangla était installé délégué général national à l'époque, il avait au palais des sports réuni les taximens et les policiers. Il les avait posé la question. Quand le touriste arrive à l'aéroport de Yaoundé Simaline, il est au contact de qui? Au policier. Qui doit se assurer que son passeport et son visa sont valides et tout et tout. Après le policier, il est au contact de qui? Du transporteur. Parce que le touriste veut aller dans un hôtel. Il cherche le taximen à l'aéroport là, qui le conduit à l'hôtel. Il dit alors. Vous comprenez que vous devez travailler en synergie, chacun doit rester strictement dans son rôle. Alors, si donc on appelle à la police municipale, je cite encore Robinson, comme je le disais, notre ami est resté pendant 2 heures de temps hier dans l'embouteillage. Nous sommes donc à Yaoundé 7. Voici un touriste qui est descendu à Douala, il est entré à Boumiéven, il a pris l'autoroute. Il arrive donc au carrefour Robinson. Oui. Et puis il trouve donc des agents avec leur chasuble, avec leur tenue. C'est la vitrine de Yaoundé 7 là-bas. C'est-à-dire que quand ils ont leur couleur de tenue, ils peuvent demander au taximen. Mais ces messieurs sont les policiers, ils disent non, c'est les agents communaux. Donc ils doivent comprendre que eux aussi, ils ont un rôle. Ils ne sont non plus les aînés de la société. Ils ont un rôle primordial parce qu'ils doivent vendre l'image de leur commune. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a eu de faire dans l'avenir lorsque véritablement on va encore les recruter, ou bien ceux qui sont déjà en activité. Ce qu'il y a eu de fait ici, c'est des séances de recyclage, de sensibilisation, de formation, pour dire, il y a une façon de s'adresser aux usagers. Parce que parfois, tu veux t'adresser à un usager qui lui a ses problèmes. On sait que les hommes ont toujours les problèmes. Alors, quand vous voulez l'adresser à lui, si vous dites, monsieur, il attend le taxi là-bas, non. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, cette zone est interdite, vous devez attendre le taxi un peu plus à 100 mètres. Plus loin. C'est une très bonne chose. Et là aussi, les communes doivent essayer d'aménager les zones d'attente de taxi. Il y en a déjà, mais il faut encore davantage. Ou bien les zones de petits stationnements de motos, etc. Ça fait que nous sommes dans des communes, dans des villes modernes, avec des agents communaux modernes, avec des agents communaux civilisés. Ça dit que, bonjour madame, on n'attend pas le taxi ici. Attendez, c'est le passage clouté. Vous allez, ça se fait même, quand vous voyez à Douala, il y a un policier qui est connu de tous, il s'appelle Amout. Par moment, même les gens ne connaissent pas son vélo, tout le monde sait qu'Amout. Parce que ce monsieur Langré là en Dokoti, vraiment, vous avez même pitié de lui. Parce que c'est lui qui est, il est courtois, il est poli, il salue tout le monde, il fait vraiment un travail énorme. Vous comprenez que si on a des agents communaux aussi, dans ce sens, on n'aura aucun problème. On a dit, les Bensikinés s'arrangent à avoir leurs documents de la moto et ainsi que les documents pour la conduite de cette moto. Que eux aussi, ils cessent d'insulter, d'être arrogants, d'être agressifs. Tout à l'heure, quand le conseiller parlait des accidents, mais à Douala, quand ils vous cognent, en une minute, vous avez l'impression qu'ils sont tombés du ciel. Vous, si vous passez même mal, ils vont vous taper sur vous. Et justement, comme il a dit, c'est même vous qui donnez encore l'argent à ce dernier. Oh, quand ils tombent là, ils sont comme des extraterrestres terrestres. Parfois, vous tombez, je suis à tomber plusieurs fois, ça ne peut pas vous mentir. Mais à un moment donné, vous avez les écorchures, il n'y a rien. Vous demandez que mais les gens, ils sont comment? À un moment donné, là, vous allez tout faire la moto comme ça, ils démarrent, ils passent. Ils n'ont jamais rien. Donc, à ce niveau-là, nous disons que non, il faut que vous sachiez que vous êtes dans un état de droit.
dans un état qui est debout, nous ne devons pas faire comme nous voulons. Quand nous-mêmes, nous avons déjà donc prédisposition dans ce sens, dans ce secteur-là, on tendons le bas là-bas pour dire que nous pensons que vraiment ces contrôles-ci exagèrent un peu. On dit, ok, si vous êtes déjà correct avec vos documents, tâchez aussi de ne pas beaucoup bâcher les Camerounais derrière vos motos. Je vous assure que c'est officiel la droit le bâchement. Donc, la sensibilisation dont on parle, la formation dont on parle pour les agents communaux est également valable pour les Benzigans eux-mêmes. Ils ne doivent pas penser un seul instant qu'ils sont tout permis, que non, on ne parle pas à ces gens. Il n'y a pas de cela dans un pays comme le nôtre. Nous reconnaissons l'utilité. Nous reconnaissons même le travail parce qu'il y a des gens ici, par exemple, à Yaoundé. Quand vous êtes du côté de Nkwaban là-bas, là, il y a des petits quartiers qui naissent là-bas chaque jour, oui. Les taxis jaunes n'entrent pas. Donc on reconnaît que le travail du Benzigane est là, au quotidien. Nos enfants, quand ils quittent ces quartiers-là pour aller dans les écoles, ils les transportent. Il y en a même qui ont fait des petits contrats avec sur le transport de leurs enfants. Alors, s'ils se comportent comme ça en transportant nos enfants sur leur moto, et ils se comportent de manière, avec le compliment arrogant, ce n'est pas une bonne chose. C'est tout le travail qui doit être fait. Nous pensons donc que ces relations conflictuelles-là peuvent effectivement s'améliorer. Mais je ne suis pas d'accord sur quand tout le monde déplore l'incident qu'il y a eu, tout le monde est contre cet incident-là, et même que si les agents concernés, ils seront certainement sanctionnés, s'ils sont des agents reconnus dans cette commune-là, et tout, mais à côté de ça, on va vous dire que nous, on va arriver. Parce que vous savez, il y a des secteurs d'activité pour lesquels certaines personnes veulent souvent se cacher derrière. Oui. Parce que connaissant, quand vous prenez droit, connaissant le nombre de Benzigineurs, si, premièrement, même s'ils gardent les motos, l'impact sur l'économie sera énorme. Et à côté de cela aussi, on sait qu'à un moment donné, les gens veulent vous chercher à des affaires de grève pour d'autres fins. Nous ne pouvons pas. Il ne faut pas que quand on est syndicaliste dans ce secteur d'activité, qu'on cède à cela. Il faut éviter ça. Nous devons être des syndicalistes modernes où nous sommes en perpétuelle discussion avec qui le partenaire pour nous autres, qui d'autres les secteurs concernés. Il n'est pas question. C'est pour ça que j'ai voulu noter le dialogue constructif que le ministère du Travail nous a envoyé. Il faut que les syndicalistes intègrent ça. Nous dialoguons, mais de manière positive pour notre beau pays. Il ne s'agit pas de croire que non. Quand on va finir de grever, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est sûr, c'est que s'ils gardent les motos, qu'ils ne veulent plus travailler, quelque chose sera fait. Mais après, quand ils vont vouloir revenir, ça sera très difficile. Non, il ne faut pas aller vers la grève. Mais c'est des pistes de solutions que nous essayons de dégainer ici. Et nous savons que, voilà un conseil municipal qui est avec nous. Nous savons que ça ne tombe pas dans les oreilles des sous. Votre émission est suivie. Donc, lorsqu'on fait des propositions dans ce sens-là, parce que nous voulons l'amélioration de part et d'autre. Parce que si on ne peut pas poser nos droits de liberté seulement sur les agents communaux. Nos amis benzigineurs ont la tête dure. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire. C'est pour ça que vous voyez, tête dure plus tête dure. C'est quand le conseiller vous dit que ça, c'est difficile parfois pour les policiers. Mais comme les agents communaux aussi, ils sont baraqués et costauds, les gros bras, eux sont aussi durs. Ça fait donc qu'entre durs, ils se connaissent. Parce qu'ils savent que non. S'il n'est pas passé là, il y a les durs. Je les vois souvent à côté de Dakar. Là. Il y a une fourrière, je crois, de la commune de 3e. Il y a des gars, les agents communaux qui sont souvent pas à Dakar. Là. Je crois que c'est une interdit pour les motos. Quand vous voulez piquer là, bam, on vous attrape. Ils savent aussi. Parfois, quand vous voulez prendre la moto, ils disent que non, nous, on ne part pas là-bas. Donc, vous voyez que on n'a pas besoin de ça. Si chacun à son niveau fait ce qu'il a fait, c'est même plus facile pour les agents communaux de se remettre au travail directement. Mm-hmm. Parce que là-bas, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être sanctionnés, ils peuvent même être licenciés. Mais oh, c'est difficile parce que le gars a engagé sa moto, il est son propre patron, il fait ce qu'il veut. Et donc, les syndicalistes doivent travailler fortement dans ce secteur d'activité-là. Et ils peuvent même chercher l'expertise ailleurs pour effectivement les accompagner. Parce qu'on ne peut pas rester dans un secteur d'activité non régulé. Non, nous sommes, ceux qui voyagent beaucoup disent même que nous sommes dans un pays où il y a tant de Benzigineurs. Mais on fait donc avec nos moyens
et dans notre contexte. Donc, je suis totalement opposé, totalement contre cette affaire de l'annonce de grève, non sans avoir allé discuter, non sans avoir dialogué. D'accord. Et... Allez, attendez, il y a quelques réactions. Il y a Pierre Pascal et Mini qui dit, on ne peut plus éviter ce moyen de transport par moto. Il faut juste que ce mototaximène soit responsable. Vous êtes sans ignorer que le travail devient très difficile dans d'autres pays. Et si ces derniers peuvent s'auto-employer, c'est une bonne chose, dit-il. C'est bien Pascal et Mini qui suit cette émission. Alors, Bruno Fodu, on relevait tout à l'heure le problème de la sous-traitance de la collègue de la fiscalité locale. Non, que se passe-t-il concrètement? Non, je veux dire que le secteur de l'émission de la police municipale, dans sa globalité, non, ne sont pas soumis aux sous-traitants. Mais par contre, quand je dis dans sa globalité, c'est-à-dire surtout dans le contrôle des motos, mais par contre, les parkings payants, les parkings sont confiés généralement aux sous-traitants. Il y a également les OTPV, parce que ça, c'est également certaines. Si vous essayez d'entrer dans les missions de la police, vous pourrez retrouver ça là, mais c'est ce genre de trucs qui sont... C'est pour cette raison que j'ai même dit d'avance que, à ce qui concerne, par exemple, la ville de Yaoundé, il n'y a pas de police municipale proprement dite. Il n'y a même pas... Il y a des agents communaux qui font un peu dans ces missions-là. Mais ce qu'on peut tout simplement le dire, chaque commune, c'est chaque commune qui suit la collecte de soi, de la surveillance de son territoire. Et la police municipale, contrairement à ce qu'on laisse entendre, oui. Elle n'a pas, c'est pas elle qui collecte les, elle ne collecte pas les impôts. Même ceux qui vont vers le marché, ils ne collectent pas. Mais par contre, ils peuvent être accompagnés d'un agent qui fait la collecte. Ce n'est pas lui qui interpelle le moto. Il est parfois placé en retrait. Ça veut dire que s'il y a des choses à payer qui peuvent être collectées immédiatement, c'est là que le gars part. Je suis celui qui collecte. Oui. Donc, pour répondre tout simplement, non, la sous-traitance sur la police municipale, pour le moment, vraiment, à ma connaissance, il n'y a pas de tout. Sauf qu'il y a quand même des parkings qui sont attribués, les parkings utilisent les sabots. Donc, en voyant ça, on a l'impression que c'est confié aux sous-traitants. C'est la gestion des parkings et tout ça qui est confié aux sous-traitants. Généralement, tous ces secteurs, que ce soit secteur d'activité moto, que ce soit activité automobile, ça, c'est généralement suivi par la commune elle-même. Bon, Raphaël a également évoqué ce problème de grève. Mm-hmm. J'ai commencé par là. Parce que je suis quand même un peu surpris que les syndicalistes voient souvent que marquer la marque de solidarité passe que par la grève. Non, il ne faudrait pas faire une sorte de chantage chaque fois quand on se retrouve dans face à un incident dans l'exercice de vos fonctions. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Je crois que ce dialogue dont Raphaël fait allusion, je pense que depuis un temps, ça court quand même un peu. On voit un peu, même le ministre de l'administration territoriale rencontrer tellement les motos. Moi, je pense qu'on en vend. Les motos taxemènes, même s'en vantent même d'être. Aujourd'hui, le renseignement du MINAT. Oui, oui, oui. Les gars s'en vantent. Oui, oui. Ils font des trucs. Et puis, bon, parce qu'habituellement, on le rencontre. Et j'ai pris l'exemple des communes aujourd'hui, que les maires même tiennent habituellement les réunions avec ces agents. Il y a beaucoup de petits problèmes qui sont soulevés et qu'on trouve des solutions sur d'autres. Mais s'il faut dire que la grève doit être faite pour dénoncer qu'aujourd'hui, les tracasseries, je ne sais pas, des agents, moi je dis que franchement, le syndicalisme, malheureusement, il n'est pas là. Il nous aurait bien situés. Parce que j'ai dit tout à l'heure, et je le dis sans réserve, que c'est des choses qui sont organisées sur la voie publique par non seulement ces motos, avec des agences, des choses qui s'organisent là même à l'insu des communes qui n'attendent que la collecte de ce qui leur est dû. Mais par contre, les gars en route, et c'est pour ça que j'ai dit que la vitalité que vous trouvez parfois en route n'est même pas parfois trop au profit de la commune. Mais les gars essaient de faire leur pointage à eux-mêmes. Ils ont des relations là, ils savent comment ils fonctionnent sur la rue. Donc,
On peut marquer la solidarité envers son camarade qui a eu, qui a été victime de cette bavure. On peut marquer, ils peuvent demander à tous les motos de se mettre en noir pendant une semaine. Oui. Il y a des choses. Et puisque même quand vous voyez les autorités, je prends le cas d'une fondue, quand vous voyez l'autorité même a pris une décision de suspendre le contrôle, et eux-mêmes intérieurement savent que quand on dit ça, ils jubilent. Ils dansent parce qu'ils se lancent partout, ils n'ont plus peur de rien. Ils font tout ce qu'ils veulent pendant un temps donné. Et je dis même que pendant un temps donné, il faut savoir que s'il n'y a pas d'ordre, c'est qu'on ne peut pas réussir. Les motos, c'est un secteur très très compliqué. Avant, on croyait que c'était les taxis. Non, les taxis ne représentent plus rien aujourd'hui. Vous voyez, ils sont chiffrés à des millions. À des millions. On ne peut même pas identifier. Or, il faut au moins qu'il y ait quand même des gens qui régulent dans la société. Parce que si je m'en souviens encore, n'est-ce pas, de certaines de leurs revendications, un temps, c'était envers la force de maintien de l'ordre. Eux, ils ne voulaient pas être contrôlés à tous les coups. Et effectivement, depuis un temps, que ce soit dans la ville de Douala ou de Yaoundé, les forces de l'ordre ne s'y mêlent pratiquement pas. Quand vous voyez peut-être un policier interpellé, c'est que c'est pour des choses précises qu'ils interpellent pour passer... peut-être à contrôler quelque chose. Bon, donc, je dis, si aujourd'hui, ils pensent que, bon, ils peuvent, à travers des grèves, je ne sais pas, demander... Mais ils disent, par exemple, qu'ils se plaignent du non-respect du décret de fonctionnement de la police municipale, notamment, le non-respect des articles 3, 5, 12, 18, 19, 20 et 23. Non, on peut même bien le comprendre, je suis très d'accord avec eux. D'entrée de jeu, ici, nous avons dit que le décret du chef de l'État a donné jusqu'au 9 avril. Pour les communes qui disposaient déjà des agents qui assuraient les missions de police municipale, de se conformer au décret. Et pourquoi? Parce que dans toute chose, il y a ce qu'on appelle le maintien du service public. Il faut la continuité du service. Il y a un temps, on ne peut pas suspendre pendant une année pour se conformer. Il faut toujours qu'il y ait quelques éléments qui assurent le service minimum, en attendant qu'on ait des agents bien formés, qui seront des personnes qui vont un peu travailler, comme Raphaël disait tantôt. Si on prend le cas de PK0, la sortie de l'autoroute, il faut qu'on trouve des messieurs-là bien propres, bien mis, qui sont éduqués, qui sont là, n'est-ce pas, pour orienter des gens, pour permettre, comme l'une des missions leur est assigné, permettre aux gens de traverser des routes, orienter des véhicules, assister les forces de maintien de l'ordre, parce que c'est même bien dans leur mission à gérer la circulation là, sur l'encadrement des forces de maintien de l'ordre. Parce que eux, c'est pour ça que même dans le décret, on demande, ils vont sur le terrain que, comment dire, bras nus, ils n'ont rien qui porte pour aller sur le terrain, sauf les latos là qui... qu'ils peuvent accrocher pour aller sur le terrain et leur siffler. En dehors de ça, ils n'ont rien, parce qu'ils n'ont qu'une mission de sensibilisation, d'éducation, d'orientation. Ils ne sont pas là pour... Ils n'ont pas une mission répressive sur le terrain. Donc nous pensons tout simplement que, de ce côté, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que recadrer les agents municipaux, non, c'est facile, ça se recadre, parce qu'ils ont des sanctions qui peuvent leur être appliquées à chaque minute. Mais recadrer les motos, que les syndicalistes soient honnêtes eux-mêmes à leur honnête. Parce que même là, nous sommes quand même, Raphaël est là, et nous-mêmes nous sommes informés, on connaît ce que les syndicalistes eux-mêmes ont instauré, que dans des villes, notamment Douala comme ça, il y a des frais qui sont payés, dit l'agent de syndicat, l'agent de ceci, l'agent de ceci, qu'on n'a jamais pu faire une traçabilité sur ces fonds-là. Alors donc eux-mêmes, à l'heure où ils doivent bien former, bien éduquer leur père, ils prennent le temps, n'est-ce pas, à se contenter des inscriptions dans le syndicat ou encore des cotisations mensuelles ou hebdomadaires. Non, ils doivent également dire aux leurs. Il faut qu'ils soient responsables de dire aux leurs. Vraiment, vous-même, vous devez être pour nous une certaine police. Si nous nous retrouvons, essayez d'être vigilants pour voir ceux-là qui s'infiltrent parmi vous, qui ne détiennent rien. Le minimum, le petit papier, le petit impôt libératoire, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Dans notre pays, il y a une grosse tolérance administrative et qui commence à monter sur la tête. Parce que j'ai dit tout de suite que vous prenez 20 motos, vous mettez là, Serge Aimé Bikoy. Je vous mets à défi, vous n'allez pas sortir 15 là qui sont en règle. Si vous sortez même 10, vous pouvez même déjà savoir que vous avez relevé le défi.
Or, le minimum là, s'ils paient ce minimum, le minimum, et ils ont leur carte de crédit, parce que quand vous achetez une moto, vraiment, au moins qu'on vous oriente, vous établissez, ne serait-ce que la carte de crédit. Et quand j'y vais là, je suis même très loin. Je vous ai parlé des motos que tu demandes. Bon, tu n'as même pas eu un certificat de vente un jour que quelqu'un a écrit pour te donner. Il n'en a pas. Mais c'est une moto qui travaille, qui est sur la route de gauche à droite, qui joue son jeu avec les agents communaux, avec tous ceux qui sont appelés à contrôler. Donc aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons, c'est que davantage, il faut que ces motos-là puissent au moins se mettre en règle et qu'il y ait des gens conscients qu'ils transportent les vies, qu'ils se retrouvent sur ces motos. À un moment donné, vous n'allez pas aller déverser tous les problèmes avec lesquels vous êtes parti de votre maison sur la rue. Vous portez un Camerounais sur votre moto, on vous interpelle, vous commencez à faire les zigzags avec lui. Vraiment. Pour qu'on se retrouve dans des choses comme ça, on a beau même sanctionner les agents municipaux, mais on ne va pas retrouver les vies. On ne va pas retrouver. Respectez au moins le cadre qu'on vous a autorisé pour les. À partir de ces cadres-là, en périphérie-là, vous pointez énormément. Parce que c'est quand même un peu beau qu'on arrive dans la capitale comme ça. On sait qu'on peut au moins que prendre le taxi. Mais c'est quand on prend déjà les directions des quartiers et de tout ça qu'on emprunte les motos. Allez, il y a une ONG qui a travaillé ces derniers jours, notamment sur les exactions et les violations de droits commis par les agents de la police municipale. Il s'agit de Nouveaux Droits de l'Homme. Muriel Bakob est directeur exécutif de par intérim de Nouveaux Droits de l'Homme. Elle s'explique notamment sur les exactions commises par les agents de la police municipale. Nous avons constaté sur le terrain qu'il y avait beaucoup d'allégations de violations des droits humains venant des acteurs du secteur informel sur les agissements des agents de la police municipale qui étaient véritablement des violations des droits humains, les agissements de corruption, les agissements de torture, des agissements de coups et blessures. Nous savons un peu tout ce que la population relate souvent. Donc, c'est face à cette situation que, au terme de notre rapport, nous avons donc décidé de pouvoir documenter ces cas. Aujourd'hui, nous avons présenté une quinzaine de cas, mais je voudrais vous assurer que nous avons recensé plusieurs. Nous avons juste présenté ceux qui relevaient des éléments probants et avec des qui pouvaient avoir des faits et des preuves palpables. Mais sinon, la situation de violation des droits de l'homme par les agents de police municipale est avérée. Mais nous ne voulons pas, comme nous l'avons dit dans notre propos, nous ne voulons pas tirer sur la police municipale parce que nous constatons que ces agissements viennent beaucoup plus d'une certaine ignorance de la part des agents de la police municipale en ce qui concerne les droits de l'homme. Et donc, nous pensons que, au travers de nos sensibilisations, nous pensons que, au travers de nos différentes formations avec les agents de la police municipale, beaucoup de choses vont changer. Parce que eux également se plaignent des abus de la part des commerçants qui, eux également, qui ne connaissent pas leurs droits. Ça fait qu'ils se retrouvent dans des altercations donnant lieu véritablement à des tensions. Parce que nous sommes des acteurs de la paix, parce que nous sommes des acteurs de la cohésion sociale, nous sommes là aujourd'hui pour interpeller sur cette situation, pour que l'État prenne conscience, pour que les populations prennent conscience de leurs droits et que les choses changent. Allez, c'était Muriel Bakob qui est exécutif par intérim de Nouveaux Droits de l'Homme. Justement, de corruption, de torture sont entre autres des bavures qui sont justement relevées sur le sentier de la voie publique. Alors, Raphaël Ndougou, abordons maintenant les responsabilités des uns et des autres dans le cadre de la formation. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les agents de la police municipale devaient être formés justement dans une école. Mais jusqu'ici, on se rend davantage compte qu'il y a une certaine tiédeur dans l'implication des chefs des exécutifs municipaux, justement, à faire former. Vous avez relevé le cas tout à l'heure de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e qui s'est attelée résolument à cet effet. Mais pourquoi l'ensemble des mairies ne travaille pas justement à ce qui est une formation active et effective de ces agents de la police municipale? Qu'est-ce qui coince? Alors, c'est vrai qu'on ne commande pas ce que la dame a dit, mais la dame, quand elle parle seulement des agents communaux sur les exactions, mais elle n'a pas aussi regardé le comportement des bensiguinaires. Là, ça fait problème. Et c'est ça que nous autres ne sommes pas d'accord avec. Parce qu'il n'est pas. Il y a souvent un adage de l'homme au village où on dit
si les nyams ne sortaient pas du sol pour se pour sortir manger le c'est comment on dit le dos comme ça, le porc et puis ne serait pas venu le manger. Donc c'est les nyams même qui sont sortis du sol. Donc en réalité, si on estime que coup corruption, qui corrompt qui? Quand il y a corruption, ça veut dire qu'il y a corrupteur, non? Alors donc il faut faire véritablement le travail de fond. Alors sur la question de la formation, on a les éléments, on vient de le dire, on va continuer à le dire, que nous on pense même que peut-être dans les réformes, hein, quand les Benoît Fouzou et les autres vont s'asseoir pour proposer l'autorité administrative, on peut faire un recrutement global. Par exemple à Yaoundé, on dit on recrute 1000, c'est un exemple, on répartit dans les 7 arrondissements. Maintenant ils ont une formation adéquate sur on va un peu dire, pas le maintien de l'ordre, mais cette défense, c'est-à-dire qu'on ne va pas se réveiller des gifles là, tu ne défends pas. Il y a le comportement sur la circulation, sur un certain nombre de choses. Là, on les forme globalement. On dit par exemple, si on doit former pour la circulation, il y a des policiers perdus de la circulation ici. C'est-à-dire qu'on ne les prend en consultation, ils les font pendant, je ne sais pas moi, 1, 2, voire 3 mois. Ils sortent donc de l'école de formation. On répartit donc dans les communes. Et puis maintenant, les chefs d'exécutif vont donc contrôler. Ils auront des contrôleurs. C'est-à-dire que quand on forme, si on a pris 1000 là, quand on les forme, il y a des contrôleurs qui sur le terrain, c'est pas moi avec les motos, pour voir si ce qu'ils ont acquis dans la formation est pratiqué sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver un agent de communal à Coron, alors qu'il devait être à Bouatanambala, par exemple. Le contrôleur va lui dire, c'est pas ici que tu dois être, et ce n'est pas ce que tu feras que tu dois faire. Je dis que à ce niveau, moi je suis convaincu que pour les agents communaux, c'est facile. C'est le véritable problème, c'est que quand on va finir de les former, je plaide aussi beaucoup plus pour que le salaire soit disponible. C'est-à-dire que les communes aient des moyens pour pouvoir payer ce personnel. Parce que les migmas que ces derniers peuvent poser sur le terrain, c'est aussi dû au fait que quand celui-là pense qu'à la maison, est-ce que mon enfant aura quelque chose à manger, tout de suite, il oublie même le bon sens. Or, il faut donc que les communes aient des moyens pour payer ces agents qui vont recruter. Et à ce niveau-là, je crois que les personnalités ou alors des ministères en charge de cette question, ça, je crois, est une question. Et puis, bon, peut-être les moyens, si vous voulez, les moyens que la commune elle-même aussi peut produire de par le paiement des impôts et tout et tout. Et là, en ce moment-là, en interne, ils voient comment ils peuvent payer ces agents-là. Ça, c'est pour les agents communaux. Maintenant, on revient sur les bensikineurs. Oui. On a dit que, comme c'est un secteur qui est comme il est là, les syndicalistes peuvent, eux, à leur tour, on prend l'exemple pour dire à Douala, j'ai vu le maire de la ville, M. Mbassadine, qui les avait réunis. S'ils ont des problèmes, peut-être pour la formation, parce que là-bas, la formation peut se faire autrement. C'est en masse. C'est-à-dire qu'on dit rassemblement à telle station, c'est pas moi, à tel esplanade. On parle avec des haut-parleurs, on vous dit que, écoutez, votre travail aussi, c'est de vous transporter au quotidien un certain nombre de personnes, parfois que vous ne connaissez même pas. Et il y a un là, il est président même, je crois qu'il est voilà, 5e. Qui dit toujours, il nous dit quand il veut qu'il a le numéro du MINAT. Alors, ils peuvent donc effectivement tendre la main au MINAT pour les accompagner dans la formation, l'éducation de masse. C'est-à-dire qu'on a le même nombre de choses concernant la documentation de la moto, la documentation du chauffeur de la moto, du conducteur de la moto. Là donc, même les mairies peuvent les accompagner. Que non, écoutez, dans ce secteur d'activité, voilà ce qu'il y a de faire. C'est là-bas le gros du travail. Ils sont plus nombreux d'ailleurs que les agents communaux. Donc c'est là-bas qu'il faut voir. C'est pour ça que je n'étais pas à 100% d'accord avec la dame qui vient de parler. Oui, oui. Pour dire que non. Si ces droits de l'homme l'accompagnent déjà, si ces ONG l'accompagnent, on va me dire les collectivités dans ce sens. Pour voir d'où vient le problème. Mm-hmm. Le problème vient d'où? Nos deux Camerounais qui sont morts là, il y a eu quoi? Il y a eu que le bensikineur a violé la non-circulation dans la zone interdite. Premier point. Et puis maintenant, l'agent communal, qui n'avait pas un autre moyen pour l'identifier si jamais ce n'était passé, a trouvé bon, peut-être pas pour des raisons qui lui sont personnelles, il a trouvé bon de bondir sur la moto
Les gens des courses, deux camarades sont morts. Un qui n'était même pas concerné par leur affaire. Ils sont morts. Là donc, on se penche Jésus pour dire, pour éviter ça, il faut faire quoi? Il faut qu'on amène le Benzikineur à respecter les zones interdites. Il n'est pas tout permis. Même les automobilistes, quand on dit sans interdit, ça veut dire que vous ne devez pas circuler en ce sens-là. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez, si vous respectez la zone interdite, la zone de circulation interdite, vous n'aurez pas de problème avec les agents communaux. Si vous avez payé l'impôt libératoire, c'est même pas combien ça coûte par trimestre pour les motos. C'est rien par rapport à leur petit qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est aussi parce que les communes doivent fonctionner. Oui. Nous sommes, j'ai dit que nous sommes toujours en dire que non, vraiment rien n'est fait et tout. La commune ne peut pas développer sa ville s'il n'y a pas les moyens. Donc, vous devez aussi participer dans ce sens-là. On peut même faire fi de certaines choses parce qu'en réalité, j'ai encore vu à Douala certaines communes où nous les avons aidés à acheter des casques. On peut dire que non, bon, c'est oui, on peut exiger ça, mais voilà des petites techniques de sensibilisation, d'éducation, de masse, de formation. Parce qu'on ne va plus les amener à l'école. Par contre, on peut amener les agents communaux à l'école sur le banc. C'est-à-dire que pour écrire des petites choses, pour donner des petits tests psychotechniques, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et j'en suis même d'ailleurs convaincu que l'État, avec les collectivités, ils vont le faire. Mais il ne faut donc pas que quand l'État va se battre à le faire, ce qu'il peut recevoir en retour, c'est que ce sont les menaces de Modo de Dev. Parce que, si, on va vous dire aujourd'hui, vous ne pouvez même pas imaginer qui gère le secteur d'activité de Modo Tassine. Et il faut véritablement que l'État se mette là-dessus. C'est-à-dire que les motos doivent être gérées par secteur. Et ça sera plus facile, effectivement, pour non seulement les collectivités, même l'autorité administrative de suivre. J'ai dit que nous avons cet arrondissement. On va dire peut-être qu'il y a un des premiers, comme c'est beaucoup plus le siège ou des institutions, peut-être... Mais il y a la curiosité qui est constatée, c'est que l'on note que les mairies d'arrondissement ont leur police municipale, la communauté urbaine, la police municipale, et il y a également les autorités administratives qui réagissent de temps à autre. Parfois, il y a même ces conflits de positionnement qui sont observés, notamment sur la voie publique. Donc, vous comprenez donc sur ma proposition de savoir, à savoir recruter en masse, former et repartir. Hein? Oui. Ça veut dire qu'il n'est pas question de chevaucher les limites ou les autorités telles ou telles. Mais pour un travail de fond, pour un travail efficace, il faut travailler en synergie. Il faut travailler main dans la main pour effectivement, pour notre belle cité capitale, politique et économique. Donc c'est-à-dire que mais c'est le même travail qui est fait. Mais dans un contexte où les agents sont dans une dynamique de quête de guerre, oui. Est-ce qu'ils peuvent travailler en synergie? Ils peuvent travailler en synergie. Je suis d'accord avec votre question parce que ceux de la commune, centrale, on va dire comme ça, des super maires vont se dire plus supérieurs. Mais pour finir, vous voyez que tout ceci est chapeauté par qui? Par le préfet. C'est-à-dire que donc c'est lui l'autorité administrative. Donc on peut faire ça. On dit, on a recruté. Vous avez suivi la même formation. Vous avez suivi, il y a même une petite composition qui peut être faite. Et puis maintenant, alors, on vous répartit. On dit, bon. Et puis même avec tout ce que nous avons sur le plan totalement institutionnel, on n'a pas besoin de ce type de conflit. Et peut-être c'est les agents même qui veulent alimenter ce type de conflit sur le terrain. Parce que peut-être, je ne sais pas si c'est des situations par rapport au Gombo, comme on dit au quartier. Mais nous, on ne veut pas regarder ça. Qu'est-ce que nous, on recherche? On recherche véritablement la paix dans nos villes. Et pour qu'il y ait la paix, il faut voir d'où est-ce qu'on a trébuché hier pour qu'on tombe aujourd'hui. Et puis, on doit dire plus jamais ça. Donc, quand la formation est faite, l'autorité administrative, avec effectivement tous ces responsables-là, vont s'entendre. Ça, ce n'est pas le plus grave là-bas. Mais je répète et j'insiste là-dessus, que ceux qui sont plus difficiles à gérer, ce sont ces amis Benzikina là. Et c'est pour ça que je continue d'insister sur ma proposition, de savoir, en dehors de la commune qui est née dans la ville, Douala premier, il y a un des premiers, qui a quelques quartiers quand même où les motos peuvent circuler. Les plus grandes communes, c'est 6, 7, 4 et les autres. Et à ce moment donc, on impose, à un moment donné,
pour manger les omelettes, il faut casser les œufs. Oui. Il faut un peu de dictature de foi. Parce que si on laisse, monsieur Philippe, je disais tout à l'heure, que comme on a donc d'abord suspendu le contrôle là, ça sera la catastrophe. C'est eux-mêmes les Benzignans qui vont ramener un contrôle plus dur que celui qui était avant. Parce qu'ils vont, se mettre à faire n'importe quoi. Ils ne seront pas responsables de savoir que, ayant suspendu provisoirement les contrôles, on peut donc montrer que nous sommes responsables. C'est le langage que les Sénégalais devaient tenir à ces gars. Que ne nous décourageons donc pas. Restons courtois, restons polis, restons responsables. N'allons pas circuler là où dans les zones interdites. Pour montrer à l'autorité administrative que nous ne sommes pas les bensiguineurs de quartier, nous sommes des bensiguineurs professionnels, nous sommes des bensiguineurs responsables. Nous respectons l'ordre administratif, nous respectons les autorités, nous respectons ce qui est dit. Mais on ne sera pas surpris dans 2 ou 3 jours que nous allons les voir se balader, et déjà les courses, l'autorité sera obligée de prendre son bâton au prisonnier. Donc, sur le plan de la formation, voilà à peu près ce que nous proposons, nous pensons qu'il va être fait. D'accord. Allez, et autre réaction, Steve, comme qui dit, la police municipale est un mal nécessaire qu'il faut juste bien organiser et y soustraire les badauds et bandits reconvertis qui ternissent cette profession, qui ternissent l'image de cette profession, car les mototaxis dans notre pays sont une gageure qu'il faut à tout prix maîtriser, car cette profession, au fil du temps, est devenue un fourre-tout. Allez, est-ce que les communes ont des moyens d'entretenir la formation des agents municipaux? Voilà, non, la question elle est bien posée parce que je voudrais effectivement revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure à Raphaël. Pourquoi la difficile mise en pied, sur pied de la police municipale? Ça, des raisons sont multiples. D'abord, il faut le dire, le problème de ressources n'est pas à négliger. Parce que aujourd'hui, nous avons dit pour qui on est les agents qui assurent la mission normale de la police municipale, telle que inscrite sur le décret du 9 avril 2022, il faut que tout soit reformé. Il faut recruter à nouveau des agents ou encore venir parmi les agents qu'on dispose, essayer de faire un recyclage en sélectionnant ceux qui ont le mérite. Parce qu'aujourd'hui, en se conformant au décret, ces agents doivent être formés, doivent même être envoyés pour une formation à l'école à Nasla. Alors donc, vous voyez que envoyer, admettre les agents, faire cette formation, ça a quand même un petit coût. Maintenant, on y revient. Il faut maintenant les reclassifier parce que là, le décret prévoit également ça. On aura des gens qui seront reclassifiés en fonction de leur qualification. Donc, aujourd'hui, il y a une méthode, il y a des étapes à traverser. La première chose, chaque commune qui souscrit déjà à mettre sur place une police municipale ne la met pas directement. Non, vous soumettez la délibération pour examen au ministère, au Mindevel. Oui, au ministère de la décentralisation du développement local. Oui. Alors donc, lorsqu'ils examinent, ils donnent leur avis. C'est quand cette délibération vous retourne, que vous passez cette délibération maintenant au conseil municipal. Je suis précis là-dessus parce que la quasi-totalité de communes de Yaoundé et Dioumfoundé en ce moment ont pratiquement transmis déjà cette délibération en examen au Mindevel. Mais aucune n'a encore reçu la délibération. Il faut le dire. Oui. Même pas ma commune qui est la commune de Yaoundé 7. Bon, maintenant, Raphaël, toujours dans le même ordre d'idée, a parlé une certaine harmonisation dans la formation. Bien évidemment, même en s'exécutant au décret, donc il est question dans les villes qui ont des mairies de villes, comme Douala, Yaoundé, Bétoy, ainsi de suite. Bon, je prends le cas de Fundi, il y a les mairies s'apprêtent, il y a, n'est-ce pas, une assise qui doit être faite avec la communauté urbaine et toutes les communes d'arrondissement. Ça, en vue de pouvoir définir les données pour que la police municipale puisse exercer leur rôle. Qu'est-ce qui doit être laissé dans le cadre de la mairie de la ville,
qu'est-ce qui appartient au mairie d'arrondissement, comment est-ce que on doit éviter le chevauchement. Donc il y a ce travail préalable qui doit être fait, ils doivent s'entendre, donc c'est annoncé, ils doivent s'entendre pour pouvoir le faire. Mais je voudrais dire ici qu'il n'y a même pas un conflit dans, en termes de gestion du territoire. C'est la même chose un peu comme les permis de bâtir sont gérés aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a par moments des chantiers où la communauté urbaine vient également contrôler, alors que la commune d'arrondissement y a peut-être apposé des croix. Mais le plus souvent, il est difficile de voir la communauté humaine venir arrêter un chantier qui s'est conformé déjà à la commune d'arrondissement. Je prends juste un exemple. Donc, il y a des orientations. On sait quelles sont les limites des communes d'arrondissement et quel est le territoire qui est maintenant contrôlé par la mairie de la ville. Et c'est pour cette raison même que nous avons dit ici que tous ces motos ont un territoire qu'on les a circonscrit pour pouvoir exercer leurs activités. Il y a les mairies de Yaoundé Premier. Même la mairie de Yaoundé Premier, elle n'est même pas seulement au centre-ville. Hein. Même quand elle se voit au centre-ville comme ça, là aussi c'est périphérique. Vous quittez étudier, vous foncez par Colobon, par Tchinga Village, tout ça c'est Yaoundé Premier. Et c'est des zones qui produisent. Vous foncez du côté de Messassi, des gars s'arrêtent au niveau de Carrefour Messassi, ils travaillent en direction de Colombe là-bas, en direction de donc en fait il y a des fonds. C'est-à-dire quand vous voyez foncer vers la ville, c'est un peu un esprit de défiance comme nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et dans cet esprit de défiance, c'est même là où les syndicats vont travailler avec les leurs. Parce qu'il faut au-delà de regarder seulement les agents municipaux, que nous ne sommes pas en train d'encourager les dérapages. Parce que vous n'allez pas voir un maire qui s'est assis et instruit aux agents d'aller utiliser la force pour attraper la moto. On leur dit, travaillez ainsi. Et nous connaissons, nous on se connaît, on est en Afrique, on sait comment les Africains ont des lois qui se créent eux-mêmes. Vous venez parfois, et ça nous a déjà arrivé, où la commune passe sur le terrain, fait quitter certains faux agents qui se trouvent. Donc, vous voyez, un agent, il vient avec ses amis. Donc, il vient, vous voyez, un coin où ils sont cachés, là, ils se retrouvent 10. Alors qu'en réalité, il n'y a que 4 agents qui sont envoyés là-bas travailler. Donc, ils ont aussi leurs amis avec qui ils viennent travailler. Donc, ne soyez pas surpris que dans un cas comme ceci, je ne dis pas que ça doit être ça, mais ne soyez pas surpris que dans un cas comme celui de Yaoundé Premier, vous vous rendez compte que le gars même qui a attrapé la moto ne soit même pas agent communal. Ce soit des amis, des soutiens qui viennent leur aider à travailler. Donc, tout c'est ça. Et qui nous sauve à la fin de la journée. Ils savent comment ils gèrent. Moi, j'ai dit ici que les gars ont même des deals avec les motos là-bas. Je vous dis, vous partez espionner Serge, vous allez voir ce qui se passe. Les gars ont les deals avec les motos. C'est-à-dire et je ne sais même pas comment ils les identifient. Parce que vous restez là, vous voyez les gars passer. Vous ne pouvez même pas vous retrouver qui est passé. Vous allez voir le gars passer. Te voilà, non. Je te prends demain. Te voilà. Ça fait 2 semaines que tu roules comme ça. Tu fais ça. Tu fais la main comme ça. Je vais te prendre. Les complices. Et c'est, oui. C'est comme ça. C'est le jour que. Moi, je dis, je suis allé intervenir pour vouloir libérer les motos de certains de gars qui sont venus me voir. Oui. Quand j'arrive, mon chef de brigade, on me raconte comment les gars là sont. Je les regarde, je dis, mais attends. On dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé la couleur de la moto. Depuis, tu entends des choses qui sont comme ça. Je regarde, je dis, ok, comme il en est ainsi, reste géré là-bas. J'ai démarré mon véhicule, je suis parti. Mais donc, ils changent la couleur de la moto pour tromper la vigilance des contrôleurs. Mais pour tromper la vigilance des contrôleurs, il a une moto, après il vient avec une autre. Lorsque vous demandez le moindre papier, c'est le même certificat de vente qu'il a sur une moto, c'est ça qu'il a sur 2, 3 autres. Vous ne savez pas. Je vous dis qu'il y a des choses et en termes de sécurité, je crois que j'ai souvent apprécié la descente du Minat, parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce secteur. Et c'est eux seuls qui sont capables de remonter leurs propres renseignements. C'est eux qui savent. Ils sont comme on dit au quartier, les fourmis. C'est-à-dire que même la police ne peut pas se retrouver entre ces gens. C'est eux qui peuvent se passer des informations. C'est eux qui peuvent se dire, voilà, nous avons des infiltrés comme ça, voilà. Bon, à défaut d'être complices. Parce que je le dis bien vraiment que...
malheureusement, nous n'avons pas le syndicalisme. J'avais d'autres choses à leur faire dire ici. Bien qu'il ne se dit pas, qu'il ne se dit pas du tout. Tout à fait. Mais, tout compte fait, il faut qu'on finisse toujours par revenir. Comment amener les petits kineurs à se conformer à la réglementation? Voilà. Comment amener. C'est cette réglementation-là qui est toujours mise en vitrine par les autorités. Je ne vais pas revenir sur les agents municipaux. On a assez parlé. On a dit que pour eux, c'est facile de leur redresser. Parce qu'à l'heure actuelle, si on dit agents municipaux assurant ses missions, on doit se référer au décret et prendre les dispositions qu'ils partent en formation. En attendant, on peut mettre en place un service minimum. Donc, ils peuvent accompagner un peu la force de l'ordre à maintenir les choses en attendant que des gens viennent leur relayer au fur et à mesure. Là, ça peut passer. Les simples instructions données aux agents municipaux, ça marche. Par exemple, quand on leur dit « ne sortez plus aujourd'hui, ne sortez plus ». Je vous assure que si le préfet lance le message là que pas de moto dehors, vous allez aller trouver la moto quelque part en tête. Oui. Je vous dis, quand je prends l'autorité suprême du département, c'est pour vous dire les réalités de ces motos. Quand ils disent là qu'ils grèvent là, non, moi je dis, il faut que parfois les syndicalistes mesurent La portée de leur action. Mm-hmm. Yaoundé, même ça peut encore passer. Mais quand vous dites que vous grévez dans le Cameroun, comment Douala va fonctionner pour revendiquer quoi en réalité, en fait? Ça sera difficile. Il y a eu des égarements. Bon, il faudrait que... Déjà, vous n'avez pas vu, le préfet n'est pas resté... L'autorité n'est pas restée indifférente à cela. Ça, on a pris des mesures conservatoires et bien d'autres choses sont en train d'être faites. Toutes les enquêtes, même l'incident qui s'est passé à Yaoundé 2, l'autorité n'est pas restée lettre morte. Les agents ont tous été mis aux arrêts. Donc, quel que soit le cas, ce n'est pas une histoire où on peut dire peut-être les autorités, l'administration est en train d'encourager. C'est des égarements qui sont sanctionnés de part et d'autre. C'est-à-dire, il y a celui qui a commis cette atrocité, celui-même qui a permis à ce qu'on commette cela. Donc, tout cela sont franchement à mettre sur le banc des accusés. Bon, maintenant... Quand les syndicalistes parlent, par exemple, de la connivence suspecte entre les agents de la police municipale et la gendarmerie nationale, que se passe-t-il concrètement? Bon, vous voyez, quand j'entends cette connivence, moi, je ne vois même pas là où ils veulent en revenir. Je ne vois pas. Parce que, en fait, moi, j'ai dit tout à l'heure que, généralement, les agents sont envoyés sur le terrain, à fois avec au moins un élément de force de l'ordre. Mm-hmm. Je l'ai dit, parce que, en fait, dans la vraie réglementation, c'est l'élément de force de l'ordre qui interpelle la moto avant que les agents vont au contrôle. Ouais. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il interpelle, mais il sait que les impôts libératoires, c'est les agents qui viennent contrôler. C'est généralement là leur rôle. Maintenant, la connivence, je ne sais pas là où il y a connivence à ce niveau, parce que je ne sais pas sur quoi ils s'affrontent avant que peut-être ils ont une... je ne sais pas, une régulation malheureusement, ils ne sont partiale. Pas là, c'est eux qui devraient davantage expliquer. C'est eux qui devront davantage nous expliquer. Là parce où qu'ils parlent également des contrôles illégaux des motos par les agents de la police municipale. Les contrôles illégaux, comment se caractérise concrètement qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal? Voilà. C'est un peu à ce niveau que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est légal? Est-ce qu'un agent municipal est venu plutôt vous demander ce qu'il ne devrait pas demander? Parce que je dis, même le retrait de la CNI ou bien de la carte grise, c'est la force de maintien de l'ordre qui vous demande cela. Mais par contre, même il prend même vos dossiers pour le cas, pour ceux qui détiennent. Il prend avant de tendre à l'agent municipal, regardez si vous avez payé votre impôt libératoire. Je dis, le plus souvent, si vous tournez, c'est un peu comme ça. Je dis, le geste régulier, c'est celui-là qui est arrivé à la mort, là où les gars se cachent pour attraper leur... je ne dirais pas leur complice. Parce que c'est des gens qui sont ensemble tout le temps. Oh, ouais. Et c'est là, et ils savent comment ils se tiennent. J'ai eu à voir du côté de Mokolo comme ça. C'est-à-dire que des gars passent. Quand tu vois, les gars sont placés quelque part, je les observe. Il y a d'autres quand tu vois un agent veut s'avancer, l'autre dit non, ça va, il est bon, il passe, il fait seulement le doigt, les gars passent. Maintenant, subitement, l'autre, tu dis non, tu vois comment on le calcule de tous les côtés jusqu'à on le prend là. Voilà. Donc,
Vous voyez que c'est un truc très compliqué et il faut que chacun retrouve le chemin normal. Il n'y a pas une société qui peut fonctionner sans être régulée. Il n'y a pas une république où on ne respecte pas au moins les règles. Et nous avons dit ici, même l'impôt libératoire là qu'on contrôle chez ces motos clandos, ce n'est pas pour un individu. C'est ça qui permet à la République de fonctionner. Oui. Les routes là que vous-même vous trouvez, vous criez comment c'est cassé partout là. C'est tout ça là qui va arriver au trésor public pour permettre d'arranger ces routes. C'est tout ça qui permet à ce que votre quotidien soit ce qu'il est. Donc, au moins, essayez de vous conformer. Vous payez le peu là, vous travaillez normalement. Parce que l'expérience a même vu que lorsque vous vous conformez, vous payez bien, vous entrez même des bénéfices aussi sur ce que vous déboursez. Lorsque vous avez, on vous réclame les impôts, vous payez, vous vous sentez plus libre. Et vous, quand vous êtes plus libre, vous cherchez à avoir plus de rendement que lorsque vous fonctionnez avec la peur. Vous fonctionnez en vous disant, bon, je peux être attrapé à tout niveau. Donc, c'est la seule chose que nous pouvons demander à ces gens. Nous demandons aux syndicats. Il faut beaucoup plus amener les vôtres à prendre conscience et toujours chercher à extirper les brebis galeuses qui sont parmi vous. Ils le sont et vous connaissez très bien. Donc, battez-vous sur ça. Mais la grève, je ne sais pas à qui, la grève là, vous voulez juste peut-être pénaliser les citoyens qui se rendent aussi à leur tâche. Et encore moins que vous connaissez que chaque fois que vous grévez, il y a des gars aussi qui vivent le jour. Il y a certains qui acceptent même vos mots d'ordre de grève involontairement. Oui. Parce que dès que vous dites grève, nous connaissons comment votre secteur fonctionne. Il y a les badauds même qui sont parmi vous qui sortent commencer à attraper ceux qui veulent même se chercher. Ouais. Oh, vous voyez que c'est un désordre que vous créez. Donc, votre problème est connu. Les autorités sont sensibles à cela. Et j'ai pris les exemples de ces derniers cas. Ne serait-ce que ceux qui ont tabassé un usager du côté de Yaoundé, ils sont aux arrêts. Et je vous dis, ils sont aux arrêts, il n'y a aucune intervention même là-dessus. Même certains agents essaient même de se plaindre comme comment le maire le laisse comme ça. Non, ils doivent répondre, leurs agents ne les a jamais envoyés tabasser qui que ce soit. Donc, il ne peut pas avoir un problème et puis vous vous tournez pour faire un chantage à l'égard des pouvoirs publics. Je crois que ça ne nous aide pas. Et à un moment donné, même vos pères vont croire même que leur comportement est aussi à saluer. Alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas déjà, ils n'ont pas aussi à poser un bon comportement. Celui qui se met à fuir le contrôle, il n'est pas en train de poser un acte salutaire. Donc si vous allez directement, votre premier acte, c'est annoncer la grève, c'est pour dire que non, ils ne sont pas fautifs. Ils sont restés chez eux et puis l'agent a atterri là-bas, il l'a assassiné. Donc, il faut pour autant bien voir, cerner, n'est-ce pas, le problème pour pouvoir amener, n'est-ce pas, les gens à prendre les bons médicaments. Et les bons sont ceux de se conformer à la réglementation, de payer le minimum qu'on vous demande. Et les agents vont faire aussi leur travail. Allez, quel langage devront tenir les syndicalistes, justement, à l'entour de leurs camarades, de manière que... Donc, justement, vous prenez ce dialogue constructif et positif dont vous avez parlé tout à l'heure, Raphaël Dougou. Oui, c'est le même école. Effectivement, le langage que les syndicalistes doivent tenir à leur compère, c'est celui de la vérité. Tout à l'heure, quand j'ai fait allusion à une réunion qu'avait présidé M. Martin Barangeli entre taximen et les policiers, la résolution qu'il avait prise à l'époque était que les contrôles de police sont suspendus à la ville de Yaoundé. Mais allons donc voir le comportement qu'a affiché les taximens après. 1. Personne n'a acheté plus la documentation du véhicule. Impôt libératoire, assurance, par cas de crise, pourquoi certains, visites techniques, etc. Il ne faisait plus rien. Parce que quoi, il n'y a pas le contrôle en route. Et, résultat des courses, ils ont aussi multiplié les cas d'agression dans les taxis. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont appelé encore le contrôle en route. Et, quand je le dis, c'est la même chose pour nos amis Benzikineurs. Qu'est-ce qui est compliqué? Rien n'est compliqué. Il suffit de dire aux gars, écoutez, notre secteur d'activité est un secteur d'activité important. Quand la plus haute autorité de l'État a reconnu notre activité, alors montons-lui que nous sommes des responsables. Nous avons déjà égrené ici la documentation qu'il faut pour la moto. Oui. On a déjà dit également ce qu'il faut pour le chauffeur, le conducteur de moto. Maintenant, c'est sur le plan du comportement.
Je dis que les syndicalistes peuvent donc, sachant peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens. Je vous ai dit qu'à Douala, un moment, ils s'érigent encore en contrôleur. Ils ont une petite carte là. Quand quelqu'un a payé 1000 francs par mois, ils délivrent un petit truc là que le syndicaliste présente. Et ils étaient vraiment devenus, excusez-moi le terme, des véritables braqueurs. En journée. Et ils calculaient les heures de pointe quand les gens vont au travail. Moi, j'ai vécu ça une fois. L'autorité administrative a suspendu ça. Or, vous ne pouvez pas seulement aller contrôler pour avoir de l'argent dans votre syndicat, non sans avoir cherché à réguler, non sans avoir prouvé à l'autorité administrative que votre travail est un travail républicain, où véritablement vous avez vos membres, et que ces membres ne posent pas des exactions sur le terrain. De là à pointer le doigt accusateur, pour dire ce que vous avez lu là tout à l'heure, des relations avec la gendarmerie, c'est pas trop qu'est-ce qu'il voulait même relever là-dedans. Il parle de la connivence suspecte. Connivence suspecte dans ce sens. Le FMO doit même assister à tous les contrôles. Parce que c'est eux qui sont habilités à interpeller qui la voiture, qui la moto. Un même du côté de Douala, les syndicalistes du côté de Douala, les contrôles qui opéraient, ils étaient accompagnés des forces de maîtrise de l'ordre. Non, je crois qu'il faut faire, il faut qu'on essaie de bien faire. Il n'est pas exclu. Vous savez même que dans le cadre de la profession que nous faisons ici, là, il y a même de fortes chances dans chaque commune, l'exécutif s'assoit pour dire peut-être c'est le quartier major, mais qui va gérer le volet, ce volet-là. Parce que c'est un volet important. Non, c'est comme ça. Parfois, c'est le conseiller municipal, c'est attribué au... C'est attribué à un conseiller, mais un conseiller municipal. À un conseiller. Ça veut dire que lorsqu'on a dit, on identifie par commune, je vous assure qu'il n'y aura pas une commune à Douala qui aura moins de 2000 au regard du nombre de 26 heures. En ce moment-là, c'est là où les syndicalistes ont demandé l'accompagnement de la commune quant à la sensibilisation. C'est là, en ce moment-là, qu'on va identifier. Vraiment, celui qui m'a porté tout à l'heure, là, je ne sais même pas, il m'a seulement porté. Parce que j'étais déjà un peu en retard sur l'émission par rapport à... Je suis d'abord allé chercher à récupérer mon courrier dans une agence là-bas à Ligisono. Et puis maintenant, le taximen a surchargé. Quand on arrive au lieu du pont Laga, il y avait un contrôle de police. Ce dernier a voulu bifurquer par Isaacam. Les routes sont en travaux là-bas. Donc il s'est retrouvé avec moi vers l'hôpital La Caisse. Je suis allé les courses, c'est barré. Donc j'étais obligé de prendre à pied pour arriver à l'agence en question, récupérer mon courrier. Et donc j'ai donc pris la moto là. Ici. Il n'était pas identifiable. C'est un individu qui m'a porté. Or, si on arrive à cet arrangement-là, à cette organisation, on verra que, on a dit que couleur verte, c'est des Yaoundé 7. Ah donc, comme je vois le réservoir en vert là, ça veut dire qu'il est des Yaoundé 7 quand même. On peut le faire. Et ça sera même bien fait. Et donc, en ce moment-là, s'il y a des brebis galeuses, ils seront extirpés du domaine, de l'activité. Je voudrais avoir un syndicaliste qui peut donner des chiffres exacts du nombre de bensigénères que nous avons à Yaoundé. Personne ne peut. Même à Douala, on ne peut pas. Or, on a bien l'impression que eux-mêmes ne sont pas, ils sont même complices de certaines nombre de choses. On a bien l'impression que eux-mêmes, ils sont là pour se faire du gain. Parce que quand... Je ne sais pas à quoi ça renvoie. D'abord, le syndicalisme n'est pas... On n'est pas obligé d'être syndiqué. Maintenant, quand on est donc syndiqué, on ne peut que travailler pour ceux qui sont déjà syndiqués et éventuellement pour ceux qui pourront se syndiquer après, avec un langage de vérité. Mais si vous pensez que vous voulez plaire en disant qu'on va arrêter de travailler, le conseil vient de le dire. Effectivement, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, qui vivent au jour le jour, avec leur activité de bentiguineur, comme on les appelle. Vous croyez donc que vous allez me demander de ne pas aller travailler et mes enfants ne vont rien à manger demain parce que vous vous appelez syndicat dans un secteur qui n'est même pas suffisamment organisé. Je le dis encore que c'est peut-être pour ces raisons que le ministre de l'administration est obligé de tenir le langage d'autorité. Mais or, il a souvent reconnu leur activité. Il le dit parce qu'ils doivent comprendre que non, on ne se croit pas tout permis. Mais alors que eux, en retour, les syndicalistes, peuvent travailler en étroite collaboration avec les collectivités, avec les autorités administratives, dans le sens d'améliorer les conditions
qui a même dit que si on est benzikineur, avec tout ce que l'on offre là aujourd'hui comme sécurité sociale, la CNPS le fait. Qui a dit que si on n'est pas benzikineur, on est benzikineur, on ne peut pas souscrire à la CNPS, c'est-à-dire que le départ de la retraite, où on cotise par exemple par mois, l'affiliation à la CNPS, merci, c'est-à-dire que vous-même, vous dites, tu veux souvent baisser 5000 francs par mois. Ça fait que si vous menez votre activité là pendant 5 ans, vous avez un certain nombre, une certaine somme là-bas. Peut-être si vous avez un autre travail ailleurs, vous continuez seulement avec votre matriculation. Plus il y a des matriculations uniques. Qui a même dit qu'on ne peut pas proposer cela pour nous, à nos amis benzikineurs? Certains sont très jeunes. Est-ce qu'on a dit que quand on est benzikineur, on ne peut pas faire des choses positives? On peut aller s'affilier soi-même. Il y a l'affiliation personnelle. Vous le savez, ici, j'ai souvent dit que même ceux qui ont besoin de domestiques, on peut les affilier à la CNPS. Il y a toutes ces ouvertures. Avant, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, c'est facile. Donc, voici le travail des syndicalistes, où on doit penser, après, il y a même qu'on peut souscrire à une certaine police d'assurance, au regard des accidents qui vivent au quotidien, où les pieds sont cassés, et il y en a qui se cassent les pieds. Alors que si on a souscrit à une police d'assurance, il y a quand même un minimum de prise en charge. On peut le faire. Et c'est des propositions comme ça. C'est des doléances comme ça que le syndicaliste doit donc poser à l'administration qui peut accompagner cette activité-là. Pour dire, vous versez peut-être 1000 francs par mois, 2000 francs par mois pour la police d'assurance, pour l'assurance personnelle. Donc, vous croyez que il ne faut pas sortir de la planète Mars pour faire ce genre de propositions. Mais moi, je refuse que l'on pense aujourd'hui qu'on est des syndicalistes va-t-en-guerre, des syndicalistes de grève, sans avoir préalable cherché la négociation. La négociation, on la cherche aussi quand on est syndicaliste, pour l'obtenir. On n'est pas syndicaliste. Je dis que je suis gêné d'entendre encore ça au troisième millénaire, cette affaire de grève. La grève, c'est lorsqu'on a, et ça c'est le ministre de Gaulle qui le dit ici, là, la grève c'est lorsqu'on a, je crois le ministre aussi, qu'on a tous les voies de recours, on n'a pas pu négocier, on n'a pas pu s'entendre, et puis on peut aussi gréver en travaillant, dit le ministre Nkili, quand il était au ministère du Travail. On dit, nous sommes les benzikineurs, nous on va seulement travailler en noir toute cette semaine, c'est une sorte de grève, c'est une forme de grève. Pour dire, tous les benzikineurs, on s'habille en noir. Et celui qui a la charge de votre activité comprendra qu'il y a un malaise. Et on n'est pas obligé de gréver en garant les motos. Donc il y a tout cela. Vous comprenez que ce n'est pas. On n'est pas ici pour nous amuser. Je crois que le fait même d'ailleurs qu'ils ne sont pas venus me gêne. Maintenant, ceux qui nous écoutent doivent comprendre que nous n'avons pas dit que nous sommes d'accord avec ce que les agents communaux, les agents communaux ont fait. On n'a pas dit ça. On est en train de proposer des pistes de solution pour dire que l'activité de l'agent communaux est également reconnue par le chef de l'État. Cette activité-là, ils doivent être des personnes, véritablement des vitrines. On l'a dit. Maintenant, quand on se tourne dans là où c'est plus compliqué, on est obligé d'être plus dur. On est obligé d'être dur comme le minable. Parce qu'effectivement, tout ce que j'ai dit là, est-ce que le syndicaliste vous l'a dit au moment où vous avez échangé, qu'ils cherchent des voies et moyens pour affilier leurs membres à la CNPS? Ça peut être une identification où on donne une immatriculation, où ils vont souvent aller verser personnellement. Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Est-ce qu'ils ont tenu compte des accidents? Lorsqu'il y a des accidents, on insiste que celui avec qui on a fait l'accident, il vous amène à l'hôpital. Si lui aussi, il a subi un tort, qui va donc amener le médecin à l'hôpital? C'est des peut mourir, il y en a qui meurent également, ça c'est la douleur, c'est reculant. Mais sauf que, voilà des situations où on peut réfléchir. Puis maintenant, donc, on dit, il y a plein d'agressions. À Douala, on se plaint d'agressions. De jour comme de nuit. Ils arrachent les sacs, même en journée. Si vous êtes placé à Montjuïc, vous avez un sac. Mon épouse en a été victime en novembre dernier. On arrache. Ils marchent avec des poignards. Dans la sensibilisation, on doit dire, vous savez, à Douala, ils portent des gros blousons. Et à l'intérieur, il y a des couteaux. Comment on fait? Quand il y a des agresseurs dans le secteur de transport, les compères sont au courant.
on sait que tel, il fait ça. Je le dis pour avoir conduit le taxi, c'est le même coin. On sait que tel, c'est un agresseur. Et c'est les syndicalistes qui doivent chercher à dénoncer pour enlever la mauvaise graine dans nos secteurs, pour extirper tous ceux qui sont négatifs. Mais malheureusement, vous croyez véritablement que si on va aller au fond de l'enquête, c'est le Bentiguineur qui est fautif, qui non seulement a violé la zone interdite, mais aussi n'a pas tenu compte des passagers qui transportaient. Ça fait deux motifs. Il n'a pas tenu compte. Parce qu'il veut fuir son ami, il expose des Camerounais. Donc on ne va pas suspendre, je suis sûr que l'autorité administrative ne va pas suspendre l'activité de Bentiguineur. Nous sommes sûrs. Mais maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est de réguler. Tant dans le secteur des agents communaux, on a dit que c'est même facile là-bas, mais il faut beaucoup plus travailler dans le secteur des mototaximènes, qui sont des... Si quelqu'un réussit à chercher un terrain dans la ville, c'est le même école. Ça veut dire qu'il peut faire bien d'autres choses. Ça veut dire qu'ils ont des familles à nourrir. Il y a un qui m'a entendu à Douala, il m'a dit que il y a un sous-préfet, il m'a même donné son nom, mais on ne donne pas le nom comme ça là, sur le plateau. C'était un gars anglophone. Il dit que quand on les a attaqués, c'est lui qui avait enlevé le sous-préfet entre les mains de Boko Haram avec les mains de ceux qui font les érasions là-bas, dans le sud-ouest. Mm-hmm, il m'a dit. Des sécessionnistes. Oui. Il m'a transporté, m'a amené à une émission à Douala, et puis il m'a dit qu'il a 6 enfants. Et donc, l'activité nourrit son homme. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans le cadre de la sensibilisation, on va leur dire, pensez maintenant à après, quand vous aurez un certain âge. Qu'est-ce qu'il va leur faire? D'où la scène parce que je viens d'indiquer. Pensez que si vous êtes malade, si vous avez fait un accident, qu'est-ce qu'il va leur faire? Même à la scène parce là, il y a des rubriques, si vous voulez, il y a des lignes où on peut s'occuper des accidentés. Les syndicalistes peuvent donc aller à leur place, à la place des Bensiguineurs, prendre des renseignements à la CNPS. Qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Et ces derniers pourront donc cotiser eux-mêmes, volontairement. J'y vais souvent reverser pour mon assurance accident, pour ma pension retraite. Je vais souvent reverser 10 000 francs par mois. Et cela est possible. Donc, quand vous posez la question, voilà le travail donc, des syndicalistes. D'accord. Alors, et vous voyez, ce qu'on est en train de dire, c'est Jérémy Picoy. Il y a aujourd'hui le décret qui organise donc l'émission des agents communaux pour la police municipale. Oui. Ok, c'est très facile, hein, on va se conformer, les communes vont se conformer et ils vont sortir des nouveaux hommes qui seront éduqués, qui marqueront la patience lorsqu'il faut agir. Est-ce qu'on peut avoir au moins les critères qui entrent en ligne de compte dans le recrutement des agents municipaux? Oui, il y a l'enquête de moralité. Il y a un véritable test, comme si on présentait, n'est-ce pas, un concours qui nécessite certaines capacités psychologiques. Donc, il y a, n'est-ce pas, ces entretiens d'avance, donc cette sélection. En tenant compte, j'ai dit, de la moralité, des capacités intellectuelles et même morales. Donc, lorsqu'on va faire ce tri-là, on va former des gens qui vont être bien éduqués, qui vont être un peu assimilables, leurs comportements pourront être assimilables à ceux d'une police même bien éduquée pour la ville. Sauf qu'ils feront encore face si rien n'est fait. Et c'est pour cette raison que je reviens là-dessus. Si rien n'est fait, c'est que cela, il n'y aura pas, c'est-à-dire, il y aura une certaine inadéquation avec les gens dont ils feront face. C'est-à-dire qu'on forme quelqu'un qui vient travailler avec un bourreau qui n'est pas formé. C'est pour dire, effectivement, et c'est ce travail que les syndicalistes devront s'y appliquer. Aussi bien, puisque ces agents-là ne sont pas seulement tenus à travailler pour des transporteurs, il y a aussi les autres usagers, il y a des commerçants, ils vont aller sur tous les plans. Il faut que la population tout entière soit préparée à recevoir aussi des gens bien éduqués qui suivent leurs conseils. Et je ne voudrais pas me laisser affaiblir
par notre Maxime Bantou, qui dit que c'est la chicorne qui redresse le noir. Donc, je ne veux pas me laisser affaiblir par ça. Je vais croire que nous pouvons également sortir de cet état de nature-là pour entrer, n'est-ce pas, dans un monde beaucoup plus éduqué et beaucoup plus ouvert. Nous avons Muriel Bakoba a fait une peinture que je pourrais appeler, bon, en tout cas, ça dépend, n'est-ce pas, de l'objectif de son travail. Peut-être son travail était consacré d'un côté uniquement, mais il n'a pas relevé le côté de ses usagers, de ses utilisateurs de motos. Moi, j'en connais des agents municipaux qui ont été percutés par ces motos-là expressément. C'est-à-dire que le gars vient comme ça, il tourne, il accélère, il le frappe. Pendant qu'on reste le transporter, lui, il est déjà parti. On ne sait même pas qui l'a fait. Il n'a pas vu ce côté, n'est-ce pas, des agressions généralisées qui sont perpétrées par un certain nombre. Moi-même, j'ai déjà été victime. Malgré que je roule la voiture, j'arrive quelque part, je vois une moto, et je vous dis pas si loin, dans mon arrondissement, une moto, on n'est même pas, c'est pas que ce qui se fait autour de 19h, une moto qui me traverse, et qui va, j'ai comme impression, je ne sais même pas comment les gars m'ont distrait la tête, que le gars, il a eu une chute. Je viens, je regarde, je dis, oh là là, et le gars est resté avec la moto, bien couché, je me dis, bah, le gars, je sais, je me dis, bon, je suis obligé de le secourir. Je pars donc, j'envoie la main pour le soulever, le temps de le soulever. Et dans tout ça, les autres motos traversaient. Hein. C'est quelqu'un qui me met le couteau doucement, que grand frère revient tout doucement dans la voiture, sinon je pousse là aux intestins et je pars. C'est comme ça que je retourne avec lui dans la voiture. Pendant que celui qui était couché là lève la moto, il avance l'attendre. J'ai donné tout ce que vous avez, il a pris un ensemble de choses et monté sur la moto. Et le comble, c'est que en montant sur la moto, il me retire les clés de la voiture au volant. Il dit, bon, on va jeter ça à 100 mètres là-bas, vous allez venir chercher. Quelle histoire. Il est parti. Tout simplement, je dis très poliment, comme s'il n'y avait rien. Sans bruit. C'était en une seconde là, il m'a ramené à la voiture, le gars s'est levé et puis les autres voitures ont commencé à prendre. Il a garé la tendre là. Il vous a dépouillé de tout. Tout, à la minute, moi-même, je suis allé entrer dans la voiture, il est là avec son long poignard, il a pris tout. Donc, nous avons des cas comme ça sont légion. Les cas comme ça sont légion à telle enceinte que vous vous dites, si on laisse libre cours à ces gens, c'est pour ça que je suis allé rappeler qu'un temps, ils dénonçaient plutôt les tracasseries de la force de l'ordre. Et à telle enceinte que quelque chose avait été fait depuis l'époque. Bref, la force de l'ordre ne s'intéresse presque plus. Quand vous le voyez avec les agents communaux, ils interpellent. Quand ils prennent le dossier, ils tendent directement à l'agent municipal. C'est l'agent municipal qui dit, bon, voilà, ceci. Bon, on sait, parce que le syndicat, aujourd'hui, ils ne sont pas en train de lancer la grève en nous disant, vous savez, pour qu'une moto fonctionne, il y a la carte grise, le gars avait sa carte grise. Il y a le stationnement, le gars avait son stationnement. Il y a la vignette, le gars avait sa vignette. Il y a l'impôt libératoire, le gars avait son impôt libératoire. Il y a l'identification dans la commune, le gars était identifié. Donc nous ne savons pas pourquoi est-ce que le gars, l'agent communal l'a fait tuer. Bon, il fallait qu'au moins ces éléments-là, on ne sort pas. Mais on essaie de faire juste une indignation sélective. Et c'est juste ça que nous condamnons, nous disons non. Les gars ont mal fait, il y a mort d'homme, nous n'acceptons pas ça. Aucun agent n'a été envoyé sur la rue pour perpétrer ces pareils actes, pour aller au-delà. Ça, mais il ne faut pas aussi que les syndicalistes oublient que les gars n'étaient qu'en position de délinquant. Ça, ici, là, c'est ce qu'on appelle, un peu les juristes appellent le cas de nécessité, oui. Hein, qui arrive. Ça veut dire, vous avez voulu sauver une situation et vous avez créé une autre. C'est-à-dire que l'agent, il a voulu à tout prix contrôler celui qui est le motoclando, qui pouvait même être comme ça un voleur, qui pouvait même être comme ça un malfaiteur qui porte un chasuble. Malheureusement, en utilisant ces moyens, qui était, n'est-ce pas, hors norme, et on est arrivé à la mort. Donc, tous les deux, on doit connaître cela.
d'un côté, pendant que les communes prennent les dispositions, les syndicats devront prendre les leurs en essayant d'éduquer les leurs. Parce que les syndicalistes aussi ont un problème. Ils sont beaucoup plus avancés dans la collecte des frais syndicaux qu'ils oublient que le syndicat, il n'est pas seulement là pour défendre la profession, mais on défend une profession qui est bien formée. Vous ne pouvez pas défendre quelqu'un sans lui dire quels sont ses droits et ses devoirs. Avant que les droits ne viennent, il y a d'abord aussi ses devoirs. Qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire? Quand il ne l'a pas fait, quand il est sur la voie publique, le permis, il n'en a pas. Le casque même qu'on lui demande, il ne porte pas. Le chasuble, il ne porte même pas pour dire je suis identifié à tel endroit. Mais quand il a un incident, vous êtes les premiers à faire envahir les lieux. Je ne sais pas si c'est aussi ça qu'on enseigne dans le syndicat. Dès qu'il y a un problème, plus de 100 motos vous envahissent. Mais dites aussi à vos motos, à ceux qui conduisent les motos, qui sont pareils que les chauffeurs derrière les véhicules. Ouais. Quand un chauffeur crée un accident, vous ne voyez pas les voitures venir entourer. Pourquoi vous voulez faire des conducteurs de motos un monde à part? Un monde qui crée à lui-même ses propres méthodes. Vous avez, à peine que vous ayez, n'est-ce pas, un petit choc, parfois passagère. Mais le gars vous met la pression à telle enseigne que c'est vous qui devenez, c'est vous qui devenez le bourreau et lui la victime. Alors que c'est lui qui parfois, il cherche, il veut vous doubler, il veut faufiler, il vous écorche. Donc, il vous écorche. Donc moi, je dis tout simplement que c'est un problème qui est profond. C'est un problème qui est profond et qu'il faut absolument dépassionner ce débat, être un peu froid pour pouvoir s'y pencher. Parce que nous ne souhaiterons pas avoir enregistré encore des morts. Nous ne souhaiterons pas. Mais que l'éducation soit vice-versa. Pendant que l'État, de son côté, s'évertue à recommander une bonne formation de ce corps de métier. Il faut registrer aussi que nous, les populations, à notre niveau, parce que nous avons parlé de cas de Colbison, par exemple. Quand vous arrivez au carrefour Colbison, quand vous voyez, lorsque l'exécutif envoie mettre un peu de l'ordre, vous voyez comment ce carrefour est ouvert, grand. Mais vous réveillez un autre matin comme ça, vous cherchez le carrefour, vous ne voyez pas parce que c'est envahi. Or, il faut toujours être en train de mettre de l'ordre. Il faut toujours que des gens soient là pour essayer d'opérer le miracle pour que la circulation soit fluide, pour éviter même des agressions, parce qu'ils ont également une mission de vigilance. La sécurité, c'est d'abord la vigilance. Leur présence, ça dissimule un peu des mauvais esprits. Donc, on ne peut pas s'en passer de ces agents sur la route. On ne peut pas suffisamment mettre sur le... Non. Puisqu'on a même déjà essayé, on n'a pas assez d'éléments de force de maintien de l'ordre pour le pulvériser dans les carrefours. Il faut qu'il soit soutenu par certains agents qui facilitent la circulation de populations et leurs biens. Allez, un dernier mot à 5 membres de la chaîne de contrôle de ces différents éléments. 1, les agents municipaux. 2, les mototaximens. 3, les syndicalistes. 4, les autorités de la ville, notamment les mairies, ministères et autres, et 5, les fonds de maintien de l'ordre. Quel est le dernier message à adresser justement à ces maillons de la chaîne? Alors, je vais prendre le maillon le plus important, parce que quand vous regardez ce qui a déjà été dit ici, le maillon le plus important, c'est effectivement les syndicalistes et leurs membres. C'est eux qui ont le dû du problème, le nœud même du problème. Pour leur dire que, je vais répéter ça, l'activité de moto-taximen au Cameroun nourrit son homme. D'autres même se bombent le taux à droit là que même nous les travailleurs qui attendons l'argent à la fin du mois, on ne passe pas à côté d'eux. Ils disent ça. Il faut donc qu'ils comprennent que nous sommes dans un pays, dans une république où il y a des lois. Et chacun doit respecter la loi. Et chacun doit également faire tout ce qu'il faut pour que ses devoirs soient également respectés. Parce que le devoir d'un pentikineur, c'est celui d'avoir une moto identifiable, une moto qui a les documents. Lui-même qui conduit la moto doit avoir
le permis. Puis maintenant, oui, tout ce qui est la paperasse. Parce que s'il paye l'impôt libératoire, ça va donner des ressources à la commune. Oui. La commune qui, en retour, va utiliser ces ressources-là pour le peuple. Que les gens ne pensent pas que l'argent qu'on doit faire des routes, qu'on doit faire ci, vient d'ailleurs. On peut avoir des subventions venant d'ailleurs ou des accords de prêt, mais ce sont nos impôts. Et quand je le dis, c'est valable pour même les taximens. Parce que le fait qu'on enlève le contrôle en route, vous voyez, je vais faire maintenant le parallèle avec les FMO. Les autorités qui gèrent les FMO peuvent décider qu'ils ne viennent plus, ils ne viennent pas. Mais sauf que sont les acteurs eux-mêmes qui vont faire revenir les FMO en route. Parce qu'ils montrent leur irresponsabilité. Donc, le nœud du problème, c'est donc le bentiquineur lui-même. Il faut voir comment ils s'insultent en route à droite là-bas. Entre eux. Si donc, ils avaient des cadres de concertation avec leur syndicat, on dit que non, la courtoisie est de mise envers le client. Parfois, même, ils parlent mal au client lorsque ils insultent. Ils n'ont pas de frein pour vouloir insulter. Entre eux, entre clients, c'est la catastrophe. C'est des cas de langage. Un problème d'éducation civile. Bien sûr. Et donc, comme on l'appelle les ramener à l'école, on leur dit avec un langage approprié que mes chers amis, est-ce que vous savez même quand vous insultez souvent quand la justice, quelqu'un vous traduit en justice, vous êtes condamné. L'insulte, les juges publics, on vous condamne. Donc des petites causeries comme ça, là, c'est le même école, c'est facile et ça peut passer. Nous, on le fait déjà ici. Pour ceux qui peuvent nous écouter, ils peuvent écouter. Mais la suite, c'est que les syndicalistes doivent donc, nous l'avons dit, doivent travailler avec des mairies. C'est un impératif, c'est incontournable. Quand ils travaillent avec les mairies, s'ils vont dans le sens de la proposition que nous faisons, qu'on identifie les bentiquinaires par secteur. Secteur Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, etc. Jusqu'à Yaoundé 7, on sait donc qu'on peut avoir le nombre exact valable pour Douala. Et puis, en ce moment, donc, les petites difficultés qu'on peut avoir, ce sont lesquelles? Il n'y a que quelqu'un qui se reproche de choses, qui a peur du contrôle de police et des gendarmeries. Nous avons souvent pris la route, nous aussi, nous sommes des chauffeurs. Moi, j'ai même souvent dit que la présence policière ou du gendarme est même aussi souvent dissuasive, même pour les malfaits, les malfrats. Elle est même importante. Vous pouvez pas rouler, vous pouvez pas rouler. Je vous assure, Douala, il n'y a pas de contrôle de nuit. Vraiment, je crois que déjà, elle nous suit. Il vaut mieux changer ça. Vous circulez, j'ai souvent eu l'habitude de circuler la nuit. Vous ne voyez aucun contrôle la nuit, c'est différent de Yaoundé. À Yaoundé, il y a les contrôles de nuit. Parce que vous pouvez vous faire agresser ici. Vous trouvez quand même, vous croyez quand même une patrouille. Même quand je venais là, il y a je crois que c'est la patrouille du quartier général. Ils étaient là vers la gare. Ils circulent là. Je les ai vus. Ils ne vont pas vite. Il y avait également un contrôle de police là, vers le pont de la gare, au rond-point qui est là. C'est mieux. À Douala, il n'y a pas. Si vous faites agresser la nuit, si le bon Dieu n'est pas venu, on peut vous tuer. Parce que peut-être les gens sont pleins qu'il y a le contrôle. Moi, je dis ceci. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne pouvez pas détester le contrôle. Vous allez plutôt aimer. Quand vous avez le strict minimum de la documentation de votre véhicule, bien de votre moto. Parce que la présence, comme je l'ai dit, est une présence très importante. Maintenant, l'autorité administrative, lui, dès qu'il y a un cas comme celui-là, mesure conservatoire, oui, suspension, nous sommes d'accord. Puis maintenant, l'autorité doit veiller que l'ordre public est respecté. Non, on ne veut pas faire comme on veut. On ne peut pas faire comme on veut dans nos villes-là. Si on veut aller faire comme on veut, qu'on rentre dans nos villages. Même là-bas, même c'est régulé, il y a les chefferies et tout ça. Il y a quand même des préalables. Chacun de nous sort d'une communauté. Il y a toujours des chefs que nous respectons. Il y a. Ça va crescendo jusqu'au respect des institutions et des autorités qui les incarnent. Alors maintenant, l'autorité est dans son rôle. Et l'autorité est ouverte. Au regard de ce que nous voyons, l'autorité est ouverte à la discussion, au dialogue. Nos amis syndicats doivent donc profiter, saisir donc cette occasion pour aller échanger avec l'autorité quant à d'autres propositions à faire pour
assainir leur secteur d'activité. Pour que ce ne soit pas un secteur où certains veulent aller se gripper, se cacher derrière, que si on annonce une guerre pour faire telle ou telle chose. Non. Nous savons, nous connaissons notre pays. Non. N'acceptez pas ça en cet instant. Et puis maintenant, lorsque tous ces maillons-là se mettent ensemble, vous allez voir que le secteur d'activité de moto-taxi sera organisé. Il faut organiser ça. Et vous m'avez entendu dire tout à l'heure que l'aubaine-sikina peut s'acheter un petit lobe de terre et se construire. Il peut donc aussi assurer lui-même sa retraite pendant qu'il est en exercice. Il peut s'assurer lui-même une petite police d'assurance accident, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas trop quelle est véritablement l'appellation originale dans l'affaire. Mais je dis ça à ma manière. Nous l'avons déjà dit, pour ce qui est des collectivités, nous on a même pensé qu'il faut que cette décentralisation-là soit effective, transfert des ressources financières et tout, de telle manière que les communes se gèrent elles-mêmes. Oui. Parce que les communes ont la bonne volonté, non seulement d'employer les camions des hommes et des femmes, mais peuvent être butées quant au budget, quant à l'argent pour effectivement payer ce personnel-là. Donc les ministères en charge de cette question aussi se repensent là-dessus pour transférer les compétences escomptées dans les communes, pour que les communes soient véritablement autonomes. J'étais quand même à Abidjan. J'ai vu la commune de Koumassi, je ne reconnais plus comment on appelle ça, Koumassi. Le maire là-bas, c'est un petit ministre. Il a escorté, c'est un jeune d'ailleurs. Il me souvient qu'on partait, on cherchait les billets de stade. Oui. Il venait comme ça avec 3 voitures. C'est lui-même qui a baissé la vitre. Parce qu'il ne sait pas qu'ils ont lu sur nous qu'on était des étrangers. On disait qu'on veut les billets de stade. Ils ont dit qu'ils n'en ont pas encore, mais que d'ici l'après-midi, gentil. Donc, si on permet à nos communes d'être véritablement autonomes, à 100%, on n'a pas dit l'autorité, lui, va regarder ce qu'il a regardé, à contrôler ce qu'il a contrôlé. Je crois que la loi sur les collectivités territoriales est bien claire là-dessus. Qu'on leur donne les moyens, parce que comme je viens d'indiquer tout à l'heure, Colbison, et on a tous la chance que M. Benoît Fouché est conseiller municipal de ce côté-là. Oui. Nous devons déjà penser en Colbison. Dans 5 ans, Colbison doit être une vitrine. Mm-hmm. On voit comme un peu comme Yaoundé 3e aussi, venant d'Ahala. Que quand quelqu'un sort de là, qu'il sent qu'il est arrivé, bienvenue à la commune de Yaoundé 7e. Parce qu'on a quand même fait l'effort de la roue de Yala. On a dit, vous m'avez sur là, j'ai vu ça l'autre jour quand je venais. Moi, je ne savais même pas, j'ai découvert, j'étais tellement content. Je me suis posé la question que, mais il faut qu'on ait notre financement pour la deuxième phase d'autoroute. C'est tellement beau. Donc, il faut maintenant qu'on donne les moyens à la commune de Yaoundé 7 pour que Yaoundé, qui travaillent leur commune, qui rendent leur commune véritablement attractive. C'est-à-dire que quand on y va, qu'on soit content. Quoi de plus beau encore que le président du conseil régional y habite. C'est une chance. Mais or, quand vous voyez la commune là, elle est délabrée quand vous voyez le côté de Yomaban, etc. Exact. Il y a une passage là qui prend vers le cancel, qui ressort vers normalement Bankolo. Vous comprenez? De habiter ces routes là. S'ils ont des moyens, ils habitent les routes. Et c'est les routes où les bicyclettes circulent. Je suis passé là sur une moto. Donc vous comprenez que un problème comme celui-ci là peut résoudre d'autres. Parce que si on a recruté, comme on l'a dit, de manière globale, et on a réparti le personnel, les hommes et les femmes, il faut bien qu'il y ait les moyens pour payer le salaire. Il y a des charges. On doit finir ce personnel, justement, la CNPS, comme je disais, et tout. Quand la commune est butée à des moyens, on aura donc des agents communaux, effectivement, qui vont poser les actes ignobles, les actes que nous condamnons ici. Donc vous voyez que là, tous ces maillons dont vous faites allusion, quand on a essayé, effectivement, de chacun à ceux qui le concernent de faire son travail, on n'aura pas de problème. Je dis encore cela et je vais finir par là. Nous sommes contre des grèves inutiles. Nous prenons le dialogue constructif qui est même d'ailleurs dans le thème de la fête du travail de cette année. Dieu seul sait que les bicyclettes sont aussi des travailleurs. Il y a certains partenaires là qui leur offrent des polos, des tenues dans ce centre pour le PMM. Mais il faut qu'ils sachent qu'eux-mêmes, ils sont des travailleurs. Donc,
Il n'est pas question de dire on va gagner les motos. Il est question de réguler, d'organiser le secteur d'activité et dire plus jamais ce qui s'est passé à Yaoundé premier. Plus jamais ça. On sait déjà quel a été le problème. On dit le Benzikina circulait dans la zone interdite et il n'a pas tenu compte des passagers qu'il transportait. C'est là où l'agent communal aussi qui voulait faire un contrôle, je ne sais pas si c'était inopiné ou c'était non régulé, en ce moment-là, a bondi sur la moto et on a perdu le Camerounais. Donc nous pensons qu'il vaut mieux toiletter en interne chez les Benzikina. Nous pensons que on doit réguler, former, sensibiliser les agents communaux. Nous pensons que la même sensibilisation doit être faite à l'endroit des Benzikineurs. Nous pensons que l'autorité administrative doit faire des propositions au plus haut niveau pour que la décentralisation soit effective, que les communes se gèrent, que les communes gèrent leur personnel en bonne et due forme et nous aurons des belles cités capitales. D'accord. D'autant que vous êtes un élu local. Votre dernier message à l'endroit des agents municipaux, des mototaximés, des syndicalistes, des autorités administratives, de même que des autorités ministérielles, sans oublier les autorités locales, ainsi qu'aux forces du ministère de l'Ordre. Ok, très bien. Déjà, je commence par le haut, comment on dirait. Vous savez, la décentralisation est en marche, même si elle connaît quelques difficultés, parce qu'il faut le dire que dans le transfert de compétences qui sont faits, on pourrait dire, sous couvert de chaque ministre sectoriel, ça connaît quand même une lenteur qu'il faut, on ne peut laisser sans revenir dessus, même si on pourrait dire, évoquer quelques difficultés dans les trésoreries de l'État, dans la récolte des fonds. Pour expliquer cela, il faut quand même le dire que c'est la décentralisation qui est faite par l'État, sous couvert, je dis bien, les ministères sectoriels, a quelque chose quand même à voir dans les ressources de des différentes communes. Et quand il n'y a pas vraiment ces ressources-là, la commune, quelle que soit la volonté, est un peu fauchée quelque part. Donc, même s'il y a encore aujourd'hui le retard dans l'implémentation, dans le respect scrupuleux du décret, je crois qu'en partie, ces ressources font problème. Bon, donc, je dis aujourd'hui, il faut que l'État encourage, soutienne vraiment les mairies et fait le minimum qu'ils sont capables de faire pour que les mairies puissent connaître davantage d'autonomie et de force pour pouvoir travailler. Ça, de ce côté. Du côté de force de l'ordre, moi, je n'ai pas grand-chose aujourd'hui à reprocher du côté de force de l'ordre parce que c'est les syndicalistes qui les ont cités quelque part, que je ne sais pas pour quel but, parce que moi, les forces de l'ordre avec qui nous travaillons au niveau de la mairie, parce que nous avons dit que les agents qui assurent la police municipale, ne se trouvent pas seulement sur la voie publique pour gérer les motos, mais même en cas même dans les ouvertures, même des servitudes. Moi, il y a quelques jours, je faisais l'ouverture d'une servitude chez moi, là, il y a une des sept du côté de Teta. C'est toujours avec ces éléments qu'on travaille. Et c'est effectivement le travail des agents qui assurent les missions de police municipale, c'est-à-dire détruire des constructions qui encombrent la voie publique ou encore dégager des encombrements. Ça peut même être des morts qu'on trouve là. C'est ces agents-là qui sont appelés à débarrasser. Donc, ils ont un rôle tellement important. Mais je sais tout simplement une grande collaboration généralement avec les forces de l'ordre. La collaboration ne saurait être la complicité. La collaboration parce que lorsqu'on va même sur le terrain détruire, quoi qu'on voit bien les engins de la mairie, quoi qu'on voit bien le personnel de la mairie avec les agents, tant qu'il n'y a pas la force de l'ordre là, les citoyens, les populations sont toujours tentées d'aller agresser ces agents municipaux. Donc que les populations, que même les syndicalistes comprennent que la force de l'ordre est là pour encadrer, pour collaborer, pour protéger, parce que c'est leur mission de protéger. C'est eux qui peuvent arrêter, interpeller un citoyen qui agresse un individu. Donc c'est juste à ce niveau leur rôle. Et moi je crois qu'ils doivent toujours continuer à faire ce travail-là dans le respect scrupuleux des lois de la République et des lois qui encadrent le fonctionnement, que ce soit de la police ou de la gendarmerie. De ce côté, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. Oui. Du côté des agents communaux, nous avons dit
leur maîtrise est très facile. Parce que j'ai pris un exemple avec la mesure conservatoire du préfet. J'ai dit, lorsque le préfet dit, jusqu'à nouvel ordre, je ne vois plus les agents municipaux sur la voie publique, on ne le verra plus. Même pas l'odeur. Et la même chose que dans la commune, il est facile de travailler en disant, lorsque tel viole telle règle, il est licencié. Et nous en avons fait. Et avant même cet incident, c'est ça, je dis peut-être par coïncidence, avant même cet incident de Yaoundé 1, nous venions de faire cesser le contrat qui n'était même que provisoire des agents municipaux qui assuraient les contrôles des motos et tout ceci sur la route. Donc, et beaucoup de communes le font habituellement et on licencie même, on suspend des comptes. Donc, ce côté-là est facilement gérable. Et je dis, et de ce côté-là, la parole aujourd'hui, les regards sont tournés vers les communes et les communes également ont un regard vers le Mindevel. C'est-à-dire que les délibérations qui sont là, c'est vrai que ça entre dans le premier... la première interpellation, les délibérations qui sont déposées par les communes, il faut que le Mindevel également se presse de les examiner et retourner afin qu'ils puissent passer à la session du conseil et que, n'est-ce pas, la conformité puisse être perceptible, que des choses puissent aller normalement. Bon, ça, de ce côté-là, ce n'est que ce qu'ils peuvent faire. Mais en attendant, puisque même après la suspension, même après la mesure conservatoire, il va toujours falloir mettre de l'ordre. Parce que moi, j'invite les populations à jeter un peu un coup d'œil sur ce qui se passe. Demain, c'est lundi. Vous allez voir en ville. Les gars vont même commencer à porter 4 passagers dans les quartiers pour ici, venir ici à la poste centrale pour aller déposer au ministère. Là, parce qu'ils savent qu'ils ont libre cours. Mais à un moment donné, on doit toujours mettre de l'ordre. D'ici à ce qu'on mette de l'ordre, les communes doivent également avoir des séances de travail répétées avec ces quelques agents pour essayer de leur routier davantage, n'est-ce pas, de certains, de l'essentiel pour assurer le service minimum en attendant que les vrais formés reviennent sur le terrain. Maintenant, je sors par les motos, non, oui. Les syndicalistes d'abord. Je dis les syndicalistes, vous allez savoir, un leader a pour mission non seulement de défendre ses protégés, mais à éduquer ces protégés-là. Parce que c'est un peu rare, je n'ai pas trop souvent entendu séminaire de formation de motoclando, peut-être à la fondation telle, je n'entends pas trop souvent ça. Et moi je me demande si les syndicalistes sont conscients qu'ils sont aujourd'hui un corps de métier. Est-ce qu'ils sont conscients, comme le disait le relevé tout à l'heure Raphaël, que des gars construisent avec ce métier-là, qu'ils se marient, qu'ils créent des familles. Ce sont des chefs de famille. Et moi, j'en connais qui ont fait la moto, qui ont acheté des taxis, qui sont ici, dehors, là, qui travaillent. Mais eux, ils continuent toujours avec la moto. D'autres gars même ont multiplié des motos. Ils ont au moins une dizaine de motos qui travaillent. Eux-mêmes, ils travaillent avec la moto. Ils ont des taxis qui travaillent. Donc, ce n'est pas... nous sommes quand même un pays avec les activités... Avec une activité, les activités libérales, il y a quand même ce système libéral qui permet à chacun de créer et d'évoluer tout tranquillement. La seule chose que l'État aujourd'hui fait, c'est réguler. Et réguler veut dire que vous vous conformez à la réglementation en vigueur. Vous faites le minimum qu'on vous demande pour éviter les tracasseries. Parce qu'on ne relève, comme Muriel relevait aujourd'hui, les actes de corruption. La corruption vient à quel niveau? La corruption vient tout simplement du refus du citoyen à se conformer aux règles. C'est comme ça. Parce que quand vous voyez, la corruption ne vient pas... Le corrompu, il ne facilite que à celui qui vient avec son intention d'accomplir sa sale besogne. Alors donc, aujourd'hui, les syndicats doivent s'évertuer sur cette éducation-là. Il vaudrait mieux que vous ayez 100 motos en règle et qu'ensemble vous vous associez même aux forces de l'ordre et aux agents communaux pour combattre les délinquants et les insolvables qui entrent dans les rangs. Parce qu'ils sont là, vous connaissez bien. Mais si vous vous égarez à prendre quelqu'un que vous alignez dans votre syndicat, il a une moto,
que vous ne trouvez même pas, je ne parle même pas de l'immatriculation, le certificat de vente, il n'en a même pas. Il ne sait même pas ce qu'on appelle vignette, il ne sait même pas ce qu'on appelle assurance, il ne sait même pas ce qu'on met. Vous vous contentez de prendre ces 1000 francs et l'inscrire comme votre membre, que vous allez le protéger. Vous allez le protéger comment? Puisqu'il va aller, on va même arrêter sa moto, vous allez aller le défendre comment? Et quand moi je parle, les syndicats m'écoutent, je dis j'interviens en permanence. Oui. Quand je parle comme ça, les syndicats, les gens comme le Fonga, ça m'écoutent. Ils connaissent bien notre différent. Parce qu'ils viennent, on arrive à intervenir, on laisse un ensemble de motos, mais ils connaissent que chaque fois quand une moto est complète, et que généralement c'est les petites erreurs, on intervient, on le laisse. Mais on est souvent coincé au cas où quelqu'un est là et dit ma moto, il y a 100 motos là, comment tu reconnais? Il dit non, je vais reconnaître, mais tu n'as même pas le certificat de vente. Comment vous voulez qu'on soit là? Donc, pour que vous défendiez bien la profession, il faut que vous vous conformiez à la réglementation. Il faut que vous faites tout pour acquérir le minimum qu'on vous demande, le minimum là qu'on vous demande. Et lorsque vous aurez ça, dites aussi à vos usagers qu'il est mieux de laisser même l'agent municipal prendre votre moto. Vous le connaissez bien, les syndicats arrivent dans les communes intervenir. Et les communes cèdent généralement à leur doléance. Parfois, cèdent même en remettant même certaines motos qui n'ont même pas payé ces impôts libératoires. Je suis témoin de ça. Donc, dites à vos membres, non, de ne pas se lancer à ce jeu. Leurs amis avec qui ils font les deals là, qui ne vous entraînent pas là dedans, qu'ils payent le minimum et ils travaillent dans les zones qui leur sont indiquées. S'ils travaillent que là, il va faire sa recette, il n'aura pas besoin d'aller chercher les problèmes au centre-ville. Et quand il y arrive donc au centre-ville par mégarde, qu'il se soumet, aucun agent n'a jamais pris la moto dans l'optique d'aller vendre votre moto. Chaque moto qui est prise et qui est mise en fourrière, on vous donne le papier de dépôt. On vous donne que deviennent ces motos qui sont en fourrière? Que deviennent ces motos en fourrière? Non, il y a des gens qui retirent. Mais je vous ai dit qu'il y a un bon nombre qui pourrissent là, tout simplement parce que personne ne se présente. Moi, je vous dis que c'est un corps de métier très compliqué. Quand vous voyez là, vous allez voir porter 10 motos. Sur les 10 motos, il faut aller voir ce qui va se passer. On retire, il vient retirer, quel que soit ce que vous faites. Quand ils prennent une moto, on vous donne une convocation. On vous dit retrouver comme ça. Et quand vous venez, puisque c'est toute une fourrière, il y a quelqu'un qui reçoit, il y a une brigade qui reçoit ces motos, qui classe, qui garde même ces motos jalousement. Et donc, ce que vous vous présentez, vous vous conformez, parce qu'il y a ceux qui viennent dire, ils disent qu'au moment où on les interpellait, ils n'avaient pas les papiers sur eux. Et quand ils donnent ces papiers, ils retirent cette moto. Même s'il faut vous dire les droits de fourrière de moto, vous ne payerez jamais plus de 5000 francs un droit de fourrière d'une moto. Donc, il faut tout simplement que tout le monde essaie, n'est-ce pas, de respecter ne serait-ce que le minimum qui est recommandé. Il n'y a pas une société sans le respect des règles. Merci. Quand on respecte ces règles, on est tous en sécurité. La sécurité commence par le respect des règles. Que les syndicalistes forment leurs membres et que leurs membres comprennent que chaque activité fut-elle minable, encore moins qu'il n'y a pas de saut métier, nourrit son homme. Et quand elle nourrit son homme, vous avez un minimum que vous contribuez pour que l'État permette, vous arrange la route sur laquelle vous circulez, pour que l'État constitue le fonds pour ne serait-ce que donner le salaire des agents de maintien de l'ordre qui vous permettent, qui assurent la sécurité pendant que vous travaillez. Donc, il faut qu'ils soient éclairés dans ce sens-là et qu'ils le fassent. Ils cessent de fuir les agents en route. Ce n'est pas la peste. Il n'y a pas de diable qu'on met sur la route. C'est des êtres humains. Ils se conforment et ils se rendent. Et puis, s'il y a même à leur sanctionner, on va leur comprendre. Si ça ne va pas, ils touchent leur syndicat. Le syndicat va porter leur parole et puis ils seront écoutés. Merci Benoît Fédieu et Raphaël Ndougou d'avoir participé à cette émission dont la rediffusion est prévue ce lundi 22 avril 2024, entre 22h01 du matin. Joachim Ipela,
Paulin Yanga et Stéphane Zéokodo m'ont aidé à présenter cette émission. Mesdames et messieurs, je vais rappeler que le riche Thibault Soufosso est en détresse. Il a été transporté hier, mais durant la journée, par deux taxis, dont l'un se déplaçant du Carrefour Béli-Bibou, la SNI, et l'autre partant de la SNI pour le MINDEF, où il a constaté avoir égaré son porte-monnaie de couleur marron dans l'un des deux taxis. Porte-monnaie contenant, entre autres, sa CNI, sa carte d'assurance d'identité, sa carte bancaire, SGC, sa carte d'assurance Ascoma et plusieurs cartes de visite, et en plus d'une carte Stadland Hôtel et d'une somme d'argent. Il prie donc toute personne ayant retrouvé justement ce porte-monnaie de bien vouloir le contacter au numéro de téléphone suivant 656-60-30-07 ou 672-43-44-17 656-60-30-07, 672-43-44-17, ou alors déposer ce colis à l'hôtel Saint-Land ou dans une radio de la capitale. Ici, nous sommes à la radio Tchéméni Santo, mesdames et messieurs, nous sommes en Vombi. Il est 13h à Houdé. Bonjour à tous les mototaximènes.